Ma soeur peut aller, hein, elle ne veut pas dormir. Tu ne dors pas. Mon hiver effrayé, l'enfant, là, elle ne veut pas dormir. Collectez-vous, 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 je m'ennuie. Collectez-vous. Collectez, collectez-vous, collectez-vous, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Waouh! La fatigue de ça. Connectez-vous. Va dormir. Muniro. Wonga ne mon nuelie. Je suis déjà en ligne. Ibrahim, c'est comment? Je vais lancer mon direct, c'est où celle-là ne veut plus dormir. Burubara. Virus, c'est comment? Tu n'es pas, pas la soeur. Moi, je dois voir tout à l'heure. Voilà où celle-là ne veut pas dormir. Elle est trop belle, la petite. Comment elle s'appelle? C'est Prada. Elle s'appelle Prada. Prada, tu ne dors pas, bébé. Je wonder. Nounounou. Bibon de. Dors pas, tu ne dors pas. Tu vas voir que c'est la magie. Même ici, sa grand-sœur ne veut pas dormir. Ça va, bébé? Oui, ça me donne envie d'accoucher. Je te jure, chaque fois quand je vois les petits bébés comme ça, j'ai envie d'accoucher. Tu es comme moi. J'ai envie d'accoucher. Tu te transformes pas en pondeuse comme moi. Avec... Maman, je vais encore accoucher. Il me faut 4. Manga fait 2, je fais encore 2. Ça nous fait 8, Mouna. Ça nous fait 8, Mouna. Véronique, je vais épingler, merci. Regarde comment non, elle regarde. Nounounou. J'ai dit qu'elle elle parle. C'est Boubounette. Boubounette. Son petit nom, c'est Boubounette. C'est Boubounette. 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 Ça va, Boubou? Je te réponds. Elle dit qu'elle est toute belle. Merci, merci, c'est la magie. Ah. Moi-même, aujourd'hui, on m'a insulté de l'autre côté que je suis mère pondeuse. Que si Ngoué est encore revenu, que si Ngoué est encore revenu avec l'histoire de la petite, là, ça veut dire que j'étais mère porteuse. Elle a dit que moi, je nettoie les supermarchés 2 heures par jour, par semaine. Ouais. Ha. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. On vient de loin, virus. On vient de loin. En tout cas, moi, je sais qu'il y a pour y avoir si Allemagne, c'est loin jusqu'à ce la manger. J'aime quand les bébés, quand le bébé a déjà les cuisses comme ça. Eh, faut pas manger. Hein? Non, quelle est la question comme ça? Quand tu mets les petites robes là, ça donne jusqu'à. Je dis, c'est joli jusqu'à. Ou bien les collants. Les collants, oui. Les légumes, là. Faut pas devenir
comme Goï qui voulait manger des chiens de qui voulait manger Filou. Elle avait déjà préparé son coup. Elle voulait manger Filou pour qu'on accuse les voisins. Elle a même prévenu la mère de Filou que quand on va arriver au pays avec Filou, on va voler Filou parce que c'était déjà un coup monté. Elle voulait voler Filou, vendre là-bas à Bonapriso. On cherche Filou à Bonaberry. Alors que Filou est dans, est à Bonapriso. Oui, sa fille est trop belle. Elle n'en peut plus. Aïe. Oh, Elle a encore le courage de dire qu'elle va récupérer l'Omouna. Quel courage! fait sous serve à quoi? Maman, Joanda. Joanda. Et ça, c'est fait sous parce qu'elle serve à quoi? veut le don de aussi d'une personne qu'elle connaît. Alors qu'on fait ça avec les dons anonymes. Le genre que tu ne dois même pas voir la mère de l'enfant. Ah. Pardon, qu'elle dégage. Coco le mignon. Oui, virus. J'ai vu comment tu es en train de souffrir comme moi. Elle dit qu'attends, je te soutiens un peu. Pour te Il dit faire qu'elle comprendre que tu n'es a pas la tellement seule. appelé son frère parce qu'elle a peur de son grand frère. Quand tu Gesundheit. appelles seulement, quand tu appelles seulement Tête Mouni, elle se calme. de Toi, au moins, C'est moi qui ai sa tu part as de le moins cher. remède. Pour ça, ce n'est pas encore le remède. Ouais. Non, pour Léa, quand tu dis seulement que B, Mouni, Léa se calme. Le Japa pas fait, je n'ai même pas souhaité joyeux anniversaire à mon fils hier. Mon fils a eu ses 17 ans, le 12. Ouais. Yeah, merci. Je Yeah, te dis. yeah. Mouni a eu 17 ans, le 12 décembre. Je suis Un dans le Congo. happy birthday au mignon de maman. On boit le Merci, mon. champagne par où? Je viens seulement à Paris. Dis-moi seulement. Maman, t'as Je suis Paris. à 2h30 en TGV de la gare de l'Est. Donc, Ah bon, t'es pas loin, hein? non, 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 c'est direct. Quand j'entre les descends une fois à la gare de l'Est, Mmh. 2h30 en TGV. Je viens boire le champagne. Ouais. Mbunga Krikata a dit que quand nous on veut lancer un direct, on fait d'abord une conférence. La personne qui n'est pas d'accord devient subitement notre détracteur. Maman Mbunga invente les choses. Hein. Tu as vu ça, au moins il ne voit même pas. Il faut me Et on laisser a les coupé petits ça là-bas poussés. chez Congo, chez Fashion. J'ai vu ça chez Fashion. Ah, faut me laisser les petits sourcils. J'ai lancé un Boubou. challenge à leur patronne, qu'elle vienne nous donner leur bilan. On voit. Anniversaire à ton prince. Merci, oh, Ça va, merci. bon, J'ai dit que j'ai oublié de souhaiter joyeux anniversaire à Mouni. c'est même le truc, c'est même déchargé, masse. Faut Ton charger. téléphone. Non, le truc où elle est dedans. Ah, Vous appelez ça à comment en la français? La WhatsApp. berceuse. C'est la berceuse. C'est quoi? C'est Et bien ça, déjà, il elle. faut brancher. Oui, tu vois qu'elle branche, j'allume, c'est automatique. Même pour la Elle balance petite un là, an. quand je mettais l'enfant là-bas, je pouvais tout faire, elle ne me dérangeait pas. Ça fait Mais l'enfant oui, dans parce que. jusqu'à. Voilà. Parce qu'il faut qu'elle branche pour elle là maintenant, comme ça balance. Ça appelle la baisser d'or. C'est à minuit, ma soeur. Okay, ah, les enfants de Mbeng. Il te dit que. Hey, c'est ça que tu dis, petit comme ça là, le mignon. Dit que les enfants de Mbeng. Ah. Mais dis-moi. Tu veux voir Coco le mignon? Attends, elle va venir à ton baptême l'année prochaine. Tu veux voir Coco le mignon? Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, comme tu dis, ma soeur. La belle, courage à toi. Hein. Ok, ma. On fait comme ça, bisous. Bisous aux enfants, bisous, bisous. Bisous. Tata Joyeux Corinne, c'est anniversaire à comment? notre Lydia, prince. merci. Que Tata Corinne te dit bonsoir, Bonsoir, virus. Corinne, bonsoir. Je voulais juste faire un coucou à Coco, qu'elle ne pleure pas. Elle n'est pas la seule dans le doute. Maman, Je ne peux pas rester tu vas voir longtemps, d'autres personnes. malheureusement. Quand les gens vont entendre la voix de Léa à côté, on va dire que l'enfant là ne dort Ne pas à minuit. Alors dors que pas tu à minuit. accouches l'enfant, tu n'accouches pas le cœur, ma. Tu vas dire, donc, elle va te dire que tu me cries dessus, j'appelle la police. Elle dit que
Ouais, les enfants de Bengo, tout le monde. Et là, je vois déjà son allure. Je vais traiter celle-là à la Bamoun. Oui. Hey. Je vois déjà les allures. Quand tu parlais, dis non. Je dis que... Voilà. Et que tu dis non à qui? Ha. En tout cas, moi, je dis toujours à mes enfants, quand vous êtes dans ma maison, vous êtes au Cameroun. Quand vous êtes en route là-bas, c'est l'Allemagne. Mmh. À l'intérieur, c'est le Cameroun. Donc, l'éducation que vous donne, c'est selon le Cameroun. Et bon, te dire. La go. C'est ce mal. Week-end, c'est moi, non? Ok. Courage. On fait comme ça, bisous. Ok, bisous. Mmh. Coco, comment? Dis-moi comment je peux t'envoyer les étoiles. Non, on n'a pas encore activé. On n'a pas encore activé les étoiles. Le problème, c'est que je vais faire ça à mon nom. Je vois comment l'autre souffre de l'autre côté. Chaque mois, il faut supplier qu'on envoie ses dos. Moi, je vais faire ça à mon nom. C'est parce que j'ai la flemme, la paresse d'aller chercher le numéro fiscal. Je n'ai même pas l'application pour retirer. Je vais donner ça à ton premier marché. Merci. Mon premier marché a eu ses 17 ans. Il a 17 ans. Maman, le temps passe vite. Quand je regarde encore, quand je vois encore les anciennes photos, quand il était encore bébé, et quand il venait même d'arriver ici, là, il dit que hey, le temps passe vite. Oh. Mon fils a déjà 17 ans. À son âge, j'avais déjà le bébé à main. On dit que quoi? Vraiment, je ne comprends pas. Et donne le nom aux gens. Ils acceptent. À la boue. Attends. Moi, j'ai connu Coco Hortense quand elle venait soutenir Tatana. Elle venait avec les voix. Vous savez, le Congo, ça aussi. Quand tu veux aussi écouter le Congo, ça, qu'elle envoyait les voix de Bacho, les voix de Jessica, j'écoutais aussi, non? Une famille ou pays. Donc, Tatana, elle-même, elle a vu que, voilà, Coco Hortense qui invente déjà que Tatana a porté ses perruques, alors que c'est Tatana qui l'a envoyé les choses. C'est parce que Tatana n'est pas bien placée où elle est là. Comme elle veut jouer les voices, Tatana va jouer le grand frère de ça. D'ici demain, Tatana va aussi commencer avec les voices. C'est le fou, moi, tu peux dormir. Je ne dors. Bémouni! 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 Léana m'a bé mindié. Kowangani, lié. Maman, je ne dors pas, je n'ai pas sommeil. Il est 18h là-bas chez toi. Ici, on est déjà. Attends. Oh. Les minuit 4 ici. L'enfant si est. Après, on va couper la partie où elle crie. Je passe au sommeil. Je vais faire le Congo ça aussi. Sarah Bali. Laisse les enfants de Mbeng. Virus parle, l'enfant parle. Le bébé qui parle déjà. Joli bébé. Merci pour elle. Puis déjà, on lit. Mon Léa dérange. Je te dis, Léa dérange. Je ne cette plus. Pourquoi arrête de mâcher le chewing-gum quand tu es en direct? Non, c'est le caramel. Je suis rentrée de chez Tatana avec le caramel. Tu sais que je suis dans le même pays que ta femme. Et oui, je sais que tu es au Canada. Elle va souvent m'énerver, on va faire le Congo ça. En Bamoun, elle ne va rien comprendre. Attends, j'arrive là-bas. Attends, je ne comprends pas. Il y a un commentaire là. Quand je tousse, ça fuit. Okay.
On n'a qu'à faire mes commentaires, coco, si t'as bon direct. Partageons, on va faire le vrai Congo, ça. On va pour vous clasher. La stratégie de ça. C'est quand il va finir de verser qu'on va. Comme Ngwea seulement appris que c'est elle qui m'a réconcilié avec Tatana. Et Ngwe n'aime pas ça. Ngwe préfère me voir seule. Elle préfère me voir. C'est Sidi qui. Ouais, ma mère. Sidi qui a déjà commencé, ma mère. Il y a un commentaire là. Maman dit de regarder déjà les marabouts. Pardon, maman, allez loin. Allez loin avec ça. Nous, c'est le Njapap qui nous intéresse. Et ça fait un bruit. Ma fille ne mange pas, on dirait. D'accord, ma mère. J'ai compris, ma mère. Je bloque le marabout aussi. C'est ma... C'est qui? C'est un marabout. Ouais. Oh, Tansen Dongo. Oh, Tansen Dongo. Marie-Louis a dit qu'on ne tombe pas le peuple à Etan Bafia. Donc, elle fait ses bêtises là, car elle sauce. Elle ne peut pas faire ça à Etan Bafia. On va brûler Hortense comme si elle avait volé la moto. Mon deuxième téléphone là est où? Mon deuxième téléphone est où? Jusqu'à le stade de Ngossa, vu que la petite fille, tu connais mon âge, mon premier fils a 17 ans. C'est la petite fille là. C'est toi qui m'as accouché pour m'appeler petit. Ou non, ma âge. Ou dans nos temps où ma mamie donne bonne nuit. Coucou, tu n'as pas un frère qui est célibataire. Il m'a refusé son frère. Ouais, Michou, j'ai mon frère, il est au co. J'ai un frère célibataire qui est au pays. On fait comment, ma? Comme ça, tu le fais monter ici en France. On organise le mariage directement ici, Michou. Ah! Léana! Matiningoku! Matiningangabu! Mais. Une petite fille qui aime le meilleur. Je vais acheter le micro à l'enfant. Là, elle adore le podium. Pas de neuf coco. Maman, rien de spécial. Oh. Sauf le petit Japap. L'autre dit qu'on va encore. Qu'elle va récupérer l'enfant. Ce n'est pas la honte, c'est quoi, mes soeurs? Mes chers frères et soeurs, si ce n'est pas la honte, c'est quoi? Si on disait à l'Angala d'appeler encore, mais Mouna, c'est Mouna. Elle allait encore appeler avec le cacham qu'elle a fait sur mes enfants. Hein? Black Booty, c'est comment, ma soeur? C'est pour moi, prends tes cœurs. Coucou. Ama. Que celle-là, je vais frapper. Tatana, je ne sais pas ce que Tatana attend depuis. Tatana, cible l'Angala. Dès qu'elle rentre, tu attrapes ça à combien? Tu frappes ça. Et je suis sûre qu'elle va faire les ennemis avec, avec les Séraphines. Parce qu'elle parle là, je connais la personne, je connais l'élément. Elle va dire que donc, quand je venais m'attraper ici là. Elle était chez vous. Je connais l'élément, Tatana. Et elle va détester Séraphine. Même si elle vient dire que ma fille sur Facebook, c'est pour montrer qu'elle ne gère pas. Mais dans son cœur. Hey, maman. C'est le sang de Ngwe qui joue. Vraiment. C'est notre princesse. Il faut la laver. Maman, j'arrive. Au Cameroun avec celle-là, je vais laver ta princesse que au marché. Fungunten. Machimpana. Je vais laver celle-là que Machimpana avec le couchon. De Mbororo là. Pour sortir l'esprit de Ngwe. Pour sortir l'esprit de Ngwe. Ngwe est juste amoureux de toi. Et elle est jalouse de te voir avec une autre femme. Maman, jusqu'à on colle l'étiquette. On a inventé des choses. J'ai vu dans l'autre direct que j'ai bouillé avec la reine Mère Bio.
Quand ma mère est arrivée, si ma mère était dans la chambre avec sa petite fille, avec Nashma, quand Nashma a vu la reine bio, elle dit que moi, je dors avec mamie, je dors avec ma mamie, je dis que dors avec ta mamie. C'est Léa qui était seule dans sa chambre. Je suis moi restée au salon. Parce que je suis restée toute la nuit. Donc, quand la reine bio est partie se coucher, j'étais en ligne avec Manga. Parce que je me couche à 6 heures. On n'a pas les mêmes horaires. Vous savez, quand c'est nouveau comme ça, là, les coups de fil de ça, je ne respire pas. Elle-même, elle ne respire pas. Tu penses que Nadine, je peux faire. Oui, oui, oui. Tatana a la force. Hey, attends. Tatana, dès que l'Angala rentre, c'est toi qui dois faire arrêter de dire devant les gens que je vais te taper, je vais te faire ceci. Je ne te réponds pas, Flore. Je suis des prématurés. C'est Nadège Mbappa qui va te traiter. C'est Tatana qui va bagarrer avec toi à ma place. Je ne salis pas mon corps. Je ne bagarre pas. Je n'ai jamais bagarré. C'est seulement avec toi que je bagarrais. Mais je ne suis plus dans ça. C'est Tatana qui va te reprendre. Elle va t'attraper. Tu vas lire le... Tu as eu la chance que le jour-là, tu n'étais pas là. Tu as fui, tu es allé en Allemagne. Si elle t'arrêtait, tu allais confirmer le code. Tu peux même pas imaginer celle qui devait filmer pour qu'on balance. Matou, elle vient maintenant, Sali, elle vient parler de son frère qu'on a coupé le pied. Je peux venir parler de la vie de mon frère comme ça sur Facebook. Hein? Après, vous allez dire que les gens racontent leur vie. Hein? J'ai vu la partie où on a coupé dans le truc. Et que yes. Voilà encore une guerre mondiale. Elle a d'abord fait 5 ans, elle ne parlait pas avec son frère. Voilà alors la guerre mondiale. Jusqu'à celle de Ngossap. Celle de Ngossap dit que la petite fille là, arrêtez d'entraîner la petite fille là. On peut entraîner une personne qui a Boza. Ce que j'ai vu en route, vous aviez vu. Hein? Ce que j'ai vu en route, vous avez vu, jusqu'à dire qu'on m'entraîne. Et même si on m'entraîne, je vois que ça vous nuit. Pourquoi je n'accepte pas? Si je sais qu'on m'entraîne et ça vous nuit, je vais qu'accepter dans l'affaire si est toujours d'actualité pour notre enfant. Maman, elle dit qu'elle va récupérer son enfant, elle va me frapper. Elle va me frapper. J'arrive au Cameroun, là, boum. Je peux me blinder. Le Jacques, je rentre ici, là, c'est moi qui cherche un goué. Je cherche un goué ici, là, en France. Pas le Jacques, elle dit souvent qu'elle donne rendez-vous. Attendez pas au village, je rentre. Il faut apprendre. Comme ça, personne. Ouais, laisse. Anita, attends, je peux au Cameroun, je rentre. Pourquoi tu dis ça, Diane? Qu'on avait collé mon nombril avec son nombril pour enterrer, pour qu'on ne se sépare pas. Elle est qui pour moi? Ou quand je sortais du ventre de ma mère, on avait écrit Fokwengwe collé sur mon dos. Ha! Quand j'entends, quand je vois souvent les commentaires comme ça, ça me fait bizarre. Hein? Elle est qui? Même les sœurs jumelles se séparent. Combien de fois une personne que j'ai trouvée aussi en bain comme ça, là, vite fait? On va pas se séparer que. Ha! Oh! Maman, pardon. J'avais dit ici, là, que quand on s'attaque à mes enfants. C'est quand ça attaquait à moi. Ouais. Léana. Léana. Dors. Elle dit oui. Léana. Couche-toi, tu dors, d'accord? Il faut laisser engraisser. Il va les mains. Non, non, je peux même pas me salir les mains. Ma mère m'avait même interdit. Elle dit de bagarrer. Je peux bagarrer avec celle-là. C'est Tatana qui va faire l'affaire.
C'est Tata Naa qui va bagarrer avec elle. Oui. Ben, vous n'y croyez pas, il y a. Léa. J'ai connu le couple, on voyait. C'est pas 8 ans, 8 ans. Non, même avant les 8 ans, là, mon cœur n'était plus là-bas. Je vais même dire que l'affaire s'il m'a seulement sauvé. Le cœur n'était plus là-bas. Tata n'a été moi. C'est pour ça que Tata n'a encouragé toujours mes relations avec d'autres personnes. Tata n'a savait que non, le cœur n'était plus là-bas. Hey! En 2015, j'ai perdu un mouna. Perdu une grossesse. Si l'enfant était là maintenant, c'est que l'enfant avait 5 ans. Attends, 2015. Non, 7 ans. C'est que l'enfant a 7 ans. C'est un idiot toi-même. Chienne. Et on sait qu'il vient me traiter d'idiote. Un imbécile comme ça. Je connais tout ça. Et Sina, que tu en fais partie, de façon que tu as fui me connaître ce genre de couple. Ouais, ni ne peut accepter qu'on touche. Maman, j'ai fui de mes entrailles, mais 9 mois. Ah! Maintenant, comme la peau, la personne, elle n'a pas. Elle a appelé la police. Maintenant, c'est qu'elle va venir récupérer sa fille. Elle signe vraiment gangang sur celle-là. Elle, elle n'a pas de nièce, ma. Ha! Autant ce coco dit qu'elle ne répond plus à Tatana. Elle va maintenant répondre à la reine de des godes. Ok, coco, j'ai compris. Et maintenant, moi, je connais Aimé. Quand je tourne la page, je peux te tuer. Je peux te killer. Quand je tourne déjà la page, on te dit que j'étais déjà vue nue. Tu dis non. Si coco, Aimé encore, elle n'en est pas venue. Voilà, merci. Mais si je mets encore l'angala, non, je n'allais même pas répondre. J'allais laisser que, ah, ça fait quoi? Même Jésus, on avait crucifié Jésus. On avait tué Jésus. Si elle m'insulte, ça va faire quoi? On insulte même Paul Biya. Si je viens là raconter des choses, est-ce qu'elle montrait ses frères? C'est moi qui viens dire que l'autre, son frère, s'appelle tel. Je viens tout verser sur Facebook. Qui savait qu'un Ngoué ne payait pas le loyer? Et je verse, je retourne encore là-bas. Ce n'est pas ma mort que je cherche. Si je retourne encore là-bas, c'est que mes jours sont comptés. Essayez un peu de voir ce côté. Si je retourne là-bas, mes jours sont comptés. J'ai l'impression qu'on prend les enfants pour les jeux. Vraiment, c'est vraiment dommage. Ah, jusqu'à il y avait des gens qui commentaient là-bas que oui, Coco était que mère porteuse. Ce sont mes ovules, même si on me réveille à 4 heures, que m'a donné la salive pour le test d'ADN. Je vais que donner. Même si c'est à 3 à 1 heure, je donne. Parce que moi, ce sont mes ovules. La ponction, c'est sur Coco. On a fait la ponction avant de prendre la semence, mettre dans le cubateur. Donc, je dors tranquille. Ce n'est même pas que le Jacques, on peut même douter. L'histoire l'a fait, mais ça, on commençait à poser les questions que quand tu suivais le traitement, quand tu avais le projet, qui suivait le traitement? Ça, c'est pas mettre les doutes sur la tête des gens, ma. Et que, mais. Il y a des questions que quand on te pose, ça te choque. Je dis qu'attendez. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est bon, si tu regardes avec elle. Que si tu retournes encore avec moi, je prends mon billet, je viens te taper au Non. Ah, moi, si je retourne avec moi, hey! Moi, va m'exposer sur Facebook.
Et même Ngwe, là, Ngwe ne vient pas m'écrire parce qu'elle sait que, comme je suis déjà avec les tatana, avec les tata lolo, les barèves, les wakatologues, si elle essaye de m'écrire, à la messe de nuit, je vais dire. Elle ne peut même pas m'écrire. Parce que c'est que le tout aussi. Je suis déjà sur Facebook. Je vais que faire la capture, montrer. Elle ne peut pas. Elle me met la honte. C'est que Ngwe, elle allait profiter sur les enfants. Parce qu'elle a souvent les petits mots que quand tu as les problèmes avec elle, elle dit qu'elle a rêvé que l'enfant a eu telle chose. Elle a peur. Elle arrive demain matin. C'est qu'elle a déjà commencé, qu'elle a rêvé que ma petite est go. Parce qu'elle a des rêves. Des rêves là, non. C'est seulement Ngwe qui rêve. Des faux, bizarres rêves comme ça. Que tu lui avais donné. Attends. Non, je n'avais pas donné. C'est où je suis tranquille. Pourquoi c'est ta... Oui, non, je n'avais pas donné. Le père de mon Mouna a reconnu sa fille. On a fait la pré-reconnaissance à 3 mois. Et quand sa fille est née, il était là. Il allait remplir ce qu'il fallait remplir. J'ai juste donné ma pièce d'identité. Donc, Ngwe n'a rien sur le Mouna là. Oui. S'il faut même qu'on retire la garde de l'enfance au pater de l'enfant qu'on va donner. Et comme je sais qui elle est, si elle n'a pas la garde, mieux je perds. C'est bon. Ningo a commencé à faire tirer aujourd'hui. Ils vont revenir. Ningo a commencé les fratéries aujourd'hui. Maman, je suis déjà wise au fait ça. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Juste Ngo, ça m'appelle la petite fille. Là. Mon premier fils a 17 ans, compresseur. Il a 17 ans. Il a eu ses 17 ans. C'était quand? C'était le 12 ans. Je ne suis pas une petite fille. Arrête de dire la petite fille Bamoun là, la petite fille Bamoun là. Tu connais mon âge? T'es ma mère, toi? Très gentil. Elle insiste. Elle méprise Loulou. Avant, ah bon, je n'ai pas écouté tout son direct. D'ailleurs, elle insultait Tata Loulou. Tu racontes ta maman, tu manques trop. Mimi, je manque comme Ngwe. Je manque comme les entrejambes de Tangwe. C'est la mamie. Ouais, donc elle a traité, elle a insulté Loulou. Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu qu'elle insultait Loulou. J'ai juste vu la partie où on a coupé, où elle dit qu'elle va me frapper, elle va récupérer l'enfant. Compris, 4 lettres, il faut respecter les bamous. Je t'ai dit, elle vient baisser mon âge pour m'appeler petite fille. Elle est devenue bizarre. Bizarre avec son comportement sauvage. Loulou ne la calcule pas et elle a mal au cœur. Ah, donc Black Boutier, elle a insulté Lolo, je n'ai pas vu. Hein. Puis Coco, là, je la donne. Elle a insulté, moi je n'ai pas vu, j'ai juste écouté ma partie. Qu'est-ce qu'elle veut, bah, elle veut m'obliger à accepter un nom qu'elle appelle Kwa Koukou, c'est mon nom. Au lieu de donner Kwa Koukou là, que où elle a dit Krinka Mbunga. Va donner ça à Krikambunga. Je n'accepte pas. Flomimba 60 ans sous ceci. Ah. Ne voyez pas ses mains. Même les mains du Nga. Quand je vois une femme, quand tu me donnes ton âge, je cible que tes mains. Ça ne manque pas. Il y a ça et les oreilles, surtout une femme qui fait le maquillage. Je regarde bien tes oreilles. Si tes oreilles, un peu comme si on t'avait fait bisous, tu as souri. Je te donne ton âge. Vous savez, il y a le maquillage qui rend les oreilles fragiles. Tu vois l'oreille d'une personne, c'est comme ça là. Tu as envie de rire seul. Elle félicite Isaac. Elle veut pousser Isaac à m'insulter. Elle dit que le mariage de Natacha, c'est l'autre. Tournage du clip. Ah bon? Ouais. La jalousie de ça.
Est-ce que Natacha fait dans la dentelle? Elle fait pas dans la dentelle. Au tournage du clip, qu'elle était. Qu'elle fait des longs métrages, ma. Ha! Ce sont les mains qui définissent l'âge d'une personne. Oui, oui, quand je vois les mains et les veines, il y a toujours des veines bizarres, bizarres là, je te donne ton âge. Ouais. Bonsoir, Total. Que le mariage de Natacha, c'est le tournage du clip. Le tournage du clip qu'elle fait dans le long métrage. Ouais, Goué a toujours dit. Que tu sais que je vais te taper, tu sais que. On dirait que j'étais sa fille. Et vraiment, les gens l'ont vraiment trouvé les moins chers. Parce que l'accouchement m'a un peu affaibli et veulent profiter de ça. En tout cas, Tata Naa est là. Tata Naa qui va répondre à celle-là. Et que Tata Naa tape l'angala. Tata Naa arrivait à Compiègne, elle n'était pas là. Je vais très bien, et toi? La réussite totale. Monico Rana Monilie. Wanganilie. Je suis trop jaloux, vous avez ses pattes. Elle ses pieds comme les sabots de la tortue. Wangani, Geni, Tommy, Mintie. Il y en a 5 à Joanna quand elle m'a marié. La jalousie de ça. Non, pour elle, tout le monde doit être célibataire. Oui. Si elle n'a pas trouvé un homme, pourquoi toi tu vas trouver un homme parti? Elle ne veut pas rester seule. Elle ne veut pas rester seule dans l'association là. Elle veut que si elle n'est pas mariée, toi-même tu n'es pas mariée. Si elle est waka, on te traite aussi de waka. Oui. Tu ne peux pas sortir comme ça du lot, tu vas te marier, tu laves ton nom, elle reste. Non. Si tu fais les rêves, les gars là vont finir avec toi. Non, je peux même plus. Je peux même plus rentrer. Même avant ça, avant que je ne clash floor, maman Pépé m'avait déjà dit ça. J'avais dit que chou, tu vois comment l'Angalais est trop gentil avec moi. Elle me flatte de monter. Elle-même m'a dit que chou ne monte pas. Et je ne vais pas vous mentir, elle m'a sauvée. C'est parce que j'ai fait maintenant des clashs avec elle que je l'insulte. Elle m'avait dit, chou, ne monte pas. L'Angala va te traiter. Elle va te traiter. Parce que vous étiez devenu gentil, je ne comprenais plus rien. J'ai dit que, ah, on peut te publier et tu es toujours gentil avec moi. C'est un plan. Ma, c'est un plan. Je cause avec Ngossam. Ngossam me dit que chou, tu sais quoi, ne monte pas. Ne monte pas. Elle va te faire ça, Dieu. Elle a dit que c'est le clip. Oui, Tata Naa va faire la fête de celle-là. Tata Naa va faire sa fête. C'est pour ça que je ne me dérange pas. Qu'elle continue à dire qu'elle va me taper. Elle ne sait pas qu'elle énerve Tata Naa quand elle dit ça. Le mariage de quelqu'un, tu dis que c'est le clip. Et c'est le clip. La veuve faisait quoi là-bas? Elle était aussi dans le scénario. Écoutez comment on sabote le mariage des gens. Hein. La veuve, elle partie. La veuve était là-bas. Tu viens dire que c'était le tournage. Donc, Natacha a fait les courts-métrages et les longs-métrages. Tout ça pour mettre les doutes dans la tête de ces mouches-là. Vous allez voir que les gens vont commencer à inciter Natacha que c'était le tournage. Comme si c'est elle qui écrivait le scénario.
et je vais te retirer l'enfant. Ha! Maman, il y a des gens ici dehors. Okay. Quand moi-même, je me sépare d'une personne, et même si je saluais ta fille, je ne salue plus ta fille. Mon ex du pays, là, sa fille m'appelait. J'ai bloqué sa fille. J'ai bloqué sa fille en Allemagne. Sa fille m'appelait. Comme je ne suis plus en contact avec ta mère, pourquoi je vais rester en contact avec toi? Moi, je suis comme ça, là. Moi, quand j'ai des problèmes avec une personne, même ses amis, je ne parle plus moi avec eux. Parce que je ne veux pas. Si ton ami m'appelle, je l'enregistre. Oui. Jusqu'à le courage. Je vous assure que même si je tombe sur le petit frère de Nguela, et qu'il faut que c'est moi qui lui donne mes 1 euro pour l'acheter, peut-être. Je prends l'exemple, la carte de bus, c'est il dort à la gare. Moi, je suis très rancunier. Mm-hmm. Moi, c'est comme ça que je suis. Elle a même le courage de parler encore de mes enfants. Oui, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, toi. Bah, c'est honteux. Jusqu'à elle dit même que ses enfants, tu as le super maman. C'est toi qui m'avais mis l'enfant là dans le ventre. Pour que tes gens m'insultent que je suis mère porteuse. Quelle mère porteuse? Même pour ma vraie soeur, même père, même mère, je ne peux jamais être mère porteuse. Si je peux accoucher, je meurs. Je vais dire quoi? Je dis ma vraie soeur, même père, même mère, je ne peux jamais être mère porteuse. Oui, même si on me paye, je ne peux pas. Parce que je sais comment ça se passe. Si je peux accoucher, je meurs. On va dire qu'elle est au paradis. Pourquoi? Parce que quand tu peux donner la vie, tu restes, tu pars directement au paradis. Je ne veux pas. Je préfère moi vivre. Même si je dois aller en enfer, je vis. Je ne suis pas là pour aider. Le genre là, parce que ça, c'est le risque. Combien de fois pour une personne que j'ai connue aussi comme ça là en bain? Je vais être une mère porteuse. Pourquoi? Pourquoi? Même pour ma vraie soeur, même pour ma mère, on me dit maintenant que ma mère a le reste de ses ovocytes, de ses embryons quelque part. La clinique menace de détruire ça. Il faut une personne pour porter. Je ne porte pas. Pourquoi je vais porter? Ah. Je peux aider autrement, mais je ne peux pas porter. 9 mois, c'est facile. Je ne peux pas moi porter. Je ne peux pas. Je te vois un jour que je suis en Côte d'Ivoire. Ah, tu es en Côte d'Ivoire. Tu viens en France. Ou tu vis Benganté comme Coco. Coco Hortense. Ouais, Coco Hortense. À cause de Coco Hortense, voilà déjà les photos de la douche d'Aminata qu'on partage dans des groupes WhatsApp. Alors que c'est elle qui a bloqué le bidet avec la garniture. Aminata habite là-bas. Elle n'habite pas là-bas, donc c'est toi. Honte à toi. Tu vis chez une personne, les toilettes sont bouchées. Tu filmes, tu montres aux gens. Et tu envoies aux gens de Facebook pour que demain, si Aminata a les problèmes avec les gens là, eux partagent. C'est pas gentil, Coco. Coco Autant, c'est pas gentil. Moi-même, j'ai pris ta défense ici là. J'ai dit que non, elle n'avait pas mal parlé d'Aminata. Quand Tata n'a plaidé pour toi, pour qu'on ne te chasse pas. Aminata t'avait donné 1 mois de libérer son appartement. Parce que tout ce qu'elle te disait, tu venais dire, tout ce qu'elle te disait, Tata Nata t'a même soutenu, elle a même menti à Aminata que non, elle ne parle jamais de toi. Parce qu'elle voulait te soutenir. Tata Nata a bien menti. Ce jour, j'étais là. Tu dis maintenant que quand nous, on veut faire un direct, on fait d'abord la réunion, la personne qui n'est pas d'accord. Ouais, Coco, tu fais comme si tu ne parlais pas. Si, tu vas pousser Tata Nata à parler. Je te dis, tu vas pousser Tata Nata à verser des choses. Elle va verser. Ce n'est même pas que tu vas pousser. C'est que Tata Nata a dit là qu'elle te laisse. Elle manque. Elle ne te laisse pas. C'est parce qu'elle est chez elle. Elle est chez elle. Là, il y a des voix qu'elle ne peut pas faire écouter chez elle. Oui. Coucou, s'il te plaît, il faut que je t'appelle. Tu m'expliques. Cherche
Ok, il n'y a pas de souci. Tu vas m'appeler, je vais t'expliquer. Allô? Comment ça se chante encore la chanson des Bamoun là? Pardon, mime-moi un peu la chanson des Bamoun là. J'aime quand tu chantes la chanson des Bamoun. Bonsoir, ma coco, l'amour. Bonsoir, c'est comment? Ça va et toi? Ça va au ma mata. Je ne te connais pas, mais j'ai chanté le nom de ton frère, Prince Mushili. Dans une de mes chansons, Ah. quand je réconciliais la Tekambangala et les Pédéchiennes. J'ai dit que aidez-moi nous. Tu te souviens que j'avais chanté Prince Mushili? Oui, je me rappelle, on était dans Japap Chocho. Voilà. Il va bien, mon ami Prince Mushili. Oui, il va bien, il Maman, va très bien. ton ex a fait le direct aujourd'hui, hein? La vache folle, ma soeur Fokui. Elle-même, elle a Dit que parlé dans le direct que on lui a donné la chaise de Mafo, elle a refusé. Qui lui a donc demandé de se faire appeler Maf aux questions? Jusqu'à elle passe à soi sur Internet, elle m'insulte, elle me ridiculise avec le sac de mes ancêtres qu'on m'a donné. Maman, je vraiment. suis assise sur la chaise, elle m'insulte sur ma chaise que je pars partout, je bois le vin avec ma chaise. Si je bois le vin, c'est son problème. Tu crois que les ancêtres là étaient fous de me choisir moi parmi tant d'enfants dans la chefferie pour me donner le sac, maman? Les gens là aiment les problèmes là où il n'y en a même pas, ma sœur. Moi, je Ouais. ne vous ai Pourquoi je fais jamais ça? jugé. Est-ce que Je tu ne crois que je comprends fais pas. des clashs Pourquoi je fais depuis des ça? années, maman? Je ne fais pas moi des clashs depuis des années. Je suis dans mon coin, une place. Mais ma sœur Fokou, elle a trouvé toujours un moyen de me ridiculiser. Elle m'a d'abord surnommée ici, Néman Pom Pom. Après, elle est partie s'asseoir pour dire que oh, je me balade partout dans les bars pour boire le vin avec mon sac. C'est mes ancêtres qui vont lui répondre, Coco, ce n'est pas moi. Tu entends, non? Je n'ai aucun problème avec cette fille. J'aime beaucoup ton ex là, hein? Parce que c'est ma soeur Fokwe. Elle voulait me tuer son marabout et au cimetière. Je le dirai jusqu'à mon dernier souffle parce que c'est la vérité. Tu entends ma soeur, je ne te connais pas. Mais j'ai déjà parlé de ça sur Facebook, pleuré même. Tu entends, non? Il y a une dame qui est couchée au cimetière entre Fleur de Lys et moi. Tu entends? Elle a eu la chance parce que Tu c'était avais ma fait le soeur retour Chang. à Écoute-moi, l'employeur. Coco, je n'ai pas fini. Fleur de Lys a eu la chance parce que c'était une fille Chang qui parlait le même patois que moi. Parce que le pygmée qui a tué son marabout, vous pouvez même lui trancher la gorge en une fraction de seconde. Mais ce n'est pas elle qui était censée me tuer. C'est la dame qu'elle avait payée. C'est pour ça que cette dame est au cimetière. Tu entends, maman? Et j'assume ce que je dis. On est en décembre. J'assume, tu entends? Je l'ai toujours dit, oui ou non? Oui, ça c'est peut-être, c'est depuis 2020 que tu parles de La ça, dame non? là est morte en 2000. Quand la dame là est morte, ce n'était pas en 2020, ma petite sœur. Remimba, c'était en 2017. Oh, Mais. j'ai dit que moi, c'est depuis 2020 que je t'entends parler de trucs Parce comme ça, là, que le qu'il marabout était mort. faut dénoncer ces choses-là. Il faut dénoncer ces choses-là. Tu entends? Voilà, il faut dénoncer ça. Ce n'était pas normal qu'on clash comme ça et que toi, tu passes. C'est Dieu qui est puissant, maman. Ce n'est pas les hommes. C'est qu'elles font là, qu'elles comptent sur les marabouts. La preuve en est que son marabout lui a donné quoi depuis? Elle est toujours là à monter, descendre comme un mauvais Son esprit. maigre marabout s'est dit qu'il est là-bas au Bénin comme un sérapeau. Donc, elle veut maintenant t'attaquer avec son marabout. Elle ne pourra pas. Maman reste dans la prière. Ne Ah. tente même pas de répondre au marabout par marabout. Et moi, je suis restée chez moi. Papa Pygmée est venu. Papa Pygmée a tranché la gorge de sa femme là qu'elle avait amenée pour me descendre. Tu entends? Quand tu pries Dieu, Dieu peut utiliser l'homme pour t'aider. C'est pour ça que Tata n'a t'aide. Tu as vu, elle te menaçait que oh, elle va arriver chez toi, elle va prendre ton enfant. N'aie pas peur. Tu as ton équipe bien solide, là, ne les trahis pas. Moi, je n'ai rien contre ma sœur Fokuela, mais il faut qu'à un moment donné, qu'elle arrête sa bêtise sur la toile, qu'elle doit toujours se moquer des gens. Elle passe à soi sur Internet, on lui pose la question, ces conneries, ces mêmes abeilles, elle organise pour manquer le respect à une reine-mère. Et elle porte le nom de reine-mère. Une fois, sa maman lui avait dit, Fleur de Lys, tu n'es pas reine-mère. Ma fille, qui t'a nommée? Elle-même, elle a dit dans son direct aujourd'hui qu'elle a refusé la chaise. Maman, on peut refuser la chaise là. Ça te prend quand on te dit que tu es reine-mère. On ne te demande pas, hein. Ça te recule. Si tu
crise, même tu deviens folle. Je dis ça, je suis ma fongonfine de Manou. Et je m'adresse à Fleur de l'île Magina Kinkam. Arrête de te moquer de moi dans tous les directs en disant que oh, je bois le vin. Je bois le vin, c'est toi qui payes mon vin, Fleur. Ou moi, on voit mon nom, Ou moi, on voit mon nom, 22 ans de France, j'ai construit un immeuble. T'as pas d'immeuble où? Tu dis que tu as l'immeuble au Cameroun, Fleur de l'île. Tu tires les valises dans tout le monde entier, ma soeur. Tu n'as pas honte? Et tu veux exposer une petite fille comme ça, notre soeur Bamileke Bamoun, tu viens l'exposer que c'est là une fille que tu as dormi, je t'ai mangé son argent, machin, truc, lécher ses fesses, tu viens l'exposer? Tu n'as pas honte, mamie? Une sale bordel de carnivore, reine-mère de mon clitoris? Moi, vraiment, là, c'est une zoto, mais les gens m'ont dit de te laisser, Flore, parce que je n'ai rien contre toi. Toi, tu sais, toi qui me ridicule, tu m'as donné un faux nom ici, là. Hein? Je viens commencer dans ton direct, Flore de lui, je te mets le cœur, parce que je me dis que bon, j'ai fait la paix. Mais j'ai fini de faire la paix. Et Coco Poitou, je passe sur YouTube. Je vois que la salope m'a encore mis sur YouTube en disant que j'ai pris mon sac de mafo pour aller partout dans les bars. Maman, c'est ton problème. Si mes ancêtres étaient aussi fous que ça, ils allaient me donner le sac là, Coco. Non. On regarde avant de le sac là, n'importe qui, ma soeur. Maman, tu sais pas que le sac là, même une folle dans la rue, on peut l'attraper, que c'est ta place, viens t'asseoir. Et la folle même, n'a même pas besoin de dire que oui ou non, parce que c'est les ancêtres qui ont... Et quand on parle des ancêtres, on parle des morts, hein. Moi, je suis connectée au monde des morts, hein, Coco Kouetou. Si je me fâche, là, il y a mort d'homme, hein. La preuve en est même que avant même que je ne sois mafo, parce qu'on ne devient pas reine, on est reine. Avant que je ne devienne mafo, Flore de Lille a voulu me tuer. C'est la dame qu'elle avait payée pour me tuer qui est décédée. Ça, je n'étais pas encore proclamée reine. Après, je suis devenue reine et encore, c'est très grave parce que je suis connectée avec le monde des esprits, des crânes. Elle insulte le crâne de mon grand-père, le roi Tchoutizem à Foreke, la chefferie deuxième degré à Foreke, en disant que le sac qu'on m'a donné, c'est un sac pour aller dans les bars pour boire le vin. C'est sur YouTube. Tapez Internet, allez voir les internautes. Allez voir les internautes. Est-ce qu'on peut faire ça? Et elle se proclame mafo. Fleur de Lille se proclame mafo. Une fausse mafo. Elle a reconnu dans son direct ici, aujourd'hui, parce que j'étais dans le direct de Fleur de Lille. Figurez-vous, les internautes, que je suis tout ce que Fleur dit sur Internet. J'espère que depuis quelque temps, bon, parce que moi je la suis, depuis quelque temps, elle ne prononce plus mon nom. Mais si elle prononce mon nom, elle va voir, mes ancêtres vont s'abattre sur elle. Sa vie n'a même pas encore défilé. J'ai changé de statut et je le dis à qui veut l'entendre. Ce n'est pas moi qui le fais. Si je tape la main sur la table, ce n'est pas bon. Tu entends, maman? C'est pour ça que je ne fais plus les clashs. Tu comprends, Coco? Et je ne dis pas ça pour draguer ou pour faire plaisir à quelqu'un. Fleur de Lille m'a déjà essayé une fois. Et c'est elle qui a amené mon nom sur la toile. Tu entends? Oui. C'est Fleur qui m'avait amené le nom sur la toile pour m'insulter que je suis une chanteuse des deuils. Quand elle m'a amené le nom, avant, maman, on m'invitait, on me donnait les 2000 euros. Tu chantes très bien, hein, des mamans. On m'invitait, on me donnait les 2000 euros, les 3000 euros de cachet. Quand Flo a commencé à m'insulter avec ses abeilles, ça fait 6 ans, on ne m'a plus jamais invité. Ouais. Et je lui en veux pour ça. Ouais. J'en veux Fleur de Lille pour ça. Mais je lui ai pardonné, je n'ai pas oublié. Tu entends? Parce qu'elle m'avait fait surnommer ici Dema la péteuse internationale, Dema nous pompom. Et je te passe un message à travers ton ex-femme ou ton ex-mari, Fleur de Lille, Magina Kinkam, arrête avec mon nom sur la toile. On est en 2022. Ça fait trop longtemps. On va compter depuis 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça fait 6 ans que tu me sabotes. Ne parle pas, je veux pas que ta voix sorte. Ça fait 6 ans, Fleur de Lille, que tu me sabotes sur Internet. 6 ans. C'est toi qui m'as amené dans les clashs. Je ne connaissais pas les clashs. Ça fait 22 ans que je vis en France. Je n'ai jamais clashé personne en France. Jusqu'à ce que je pars en concert à Lille en 2016. Été 2016. Toi, tu viens t'accrocher sur moi, Fleur de Lille. Chez Junior Bobitan. Quand j'ai chanté avec Mama Katino. Maman Katino a mis toutes ses affaires dans ma juke. Je me rappelle, j'étais là à Lille. Voilà. Et j'étais avec les promoteurs.
En 2016, c'était l'été 2016. Je suis allée en concert à Lille. Tu es venue. Jusqu'à... C'est là où, comme j'ai eu mes règles, je partais me nettoyer aux toilettes. Elle m'a su une main de main poum poum que je sentais. Mais je suis une femme, je dois avoir les règles, Flore. Les... Je dois avoir mes règles. Je suis pas stérile. Je suis une femme qui accouche. Je lui ai dit, ma chère, excuse-moi, je m'avais me nettoyé, changé mes garnitures aux toilettes. Je suis allée changer mes garnitures aux toilettes. Après mon concert, elle est restée collée derrière moi 6h du matin, jusqu'à 6h du matin. Maman Katine était pressée, elle a mis toutes ses affaires dans ma voiture. Elle est partie. Le jour là, quand je suis allée me laver aux toilettes pour changer mes garnitures, pour faire ma petite toilette, Flore de Lille est partie s'asseoir sur Internet 3 jours après, commencer à m'insulter, des mains poum poum. Flore de Lille n'a jamais tenu dans sa vie. Posez la question à Flore de Lille, si elle n'a jamais eu des règles, ou elle est stérile. Elle n'a jamais saigné. Parce qu'une femme qui saigne, c'est une femme qui doit enfanter. Qui... Si tu n'as pas de menstrues, tu dois comment tu dois tomber enceinte? Voilà là où le nom poum poum vient. Parce que je suis allée changer mes garnitures. Je suis allée changer mes garnitures. À laver ma chatte, changer mes garnitures. Flore de Lille m'a soutenu. J'ai dit à ma soeur que tu as un grand couplé. J'ai dit en patois, non, en langue yemba. Que tu as un grand couplé, ma garniture, ma toilette, parce que moi, où saigner, non? Mm-hmm. Je suis allée donc me changer. Elle a dit que, ah, comme elle saigne là, je vais la surnommer demain. Poum, poum. C'est quelque chose de naturel de, pour une femme de saigner. C'est normal. C'est quelque chose de naturel. Toutes les femmes saignent. Hein? Depuis ce jour-là que Flore de Lille et moi jusqu'aujourd'hui, j'ai pardonné Coco Kouetou, je ne te mens pas. Je ne déteste pas cette fille, mais elle m'a fait du mal. J'attends son pardon jusqu'aujourd'hui. Elle est partie. Elle ne peut pas, te demander pardon. Hein? Elle ne peut pas te demander pardon. C'est comme ça qu'elle est. Elle aura cette malchance sur sa vie toute la vie. Regarde, c'est sa vie qui défile, ce n'est pas la mienne. La preuve, depuis des années, ça se rebelote. Est-ce que je parle quand je suis sur l'écran de mon grand-père, mamie, le roi Tchoutizem. Mon grand-père s'appelle, qui tape Foré Kechang. Elle demande au chef Njoumessi Wambala, qui est Tchoutizem, deuxième degré Foré Ke. Hein? Quand je vais mettre sur la tête de mon grand-père, je verse lui le sel là pour prophétiser. Là. Est-ce que je prophétise quoi? Tous les gens qui m'ont fait du mal. Retour violent à l'envoyeur. Je pars à l'église le dimanche. Je prie, mon Dieu, je prie. Je suis entré dans le direct pour vous dire que Flore de Lille n'est pas ma faute au pays Babléké. D'accord? J'avais déjà dit ça. Elle est ma faute de compte Facebook. J'avais dit ça ici, là. Les gens ont dit non, elle n'est pas ma faute. Je rentre dans ton direct, Coco. Est-ce que tu me vois souvent rentrer dans ton direct? Jamais, non? Mm-mm. Je rentre dans ton direct parce que Flore a fait un direct aujourd'hui là où elle a dit que on lui a donné la chaise au village, elle a refusé. Elle-même, elle a dit, dans le direct aujourd'hui, le direct où elle insultait Coco Hortense en disant que Coco Hortense n'est rien, Coco Hortense, c'est une sale fille qui raconte les benguis. J'étais dans le direct de Flore, je lui ai même envoyé un cœur. Parce que moi, j'envoie les cœurs partout, je m'en fous. Je ne suis pas une haineuse, je ne suis pas une rancunière. Tu entends? Mm-hmm. Moi, je pardonne. Mais Flore insiste trop sur mon nom parce qu'il y a des directs dans YouTube où Flore insulte le clan de mon grand-père. Et c'est ça que je dis à Flore, je l'interpelle dans ton direct parce que c'est ton ex. Et je lui dis à Flore qu'elle arrête de parler de mon côté mafo. Parce que mes ancêtres, les morts ne badinent pas. Qu'elle n'attire pas la malchance dans sa vie. Qu'elle arrête de me provoquer par rapport à ce côté-là. Elle peut m'insulter normalement entre nous, comme on s'insulte, mais qu'elle sache que je suis double mafo dans deux bouches de mort. Le roi Tchoutizem et ma maman qui est décédée, je suis double. Donc, il y a deux personnes qui m'ont nommé mafo. Ce n'est pas seulement ma mère. C'est d'abord le roi et après ma mère. Donc, j'ai été confirmée à la mort de ma mère sur la parole du roi. Tu entends? Donc, on n'a pas la même vie, Flore de Lille et moi. Moi, je suis une élue. On ne devient pas reine. On est reine. Tu comprends, ma? Oui. La preuve, c'est que le marabout qu'elle avait amené me tuer, c'est la dame qui est décédée. Tu comprends un peu? Avant, je n'étais même pas encore reine. Imagine aujourd'hui que je suis devenue reine, c'est grave.
Donc, je dis à Flore qu'elle arrête avec, avec sa marmaille qu'elle fait sur la toile. Là. Ça ne donne pas. Elle arrête. Non. Même tes enfants, elle ne doit pas toucher à tes enfants. Maman. Parce que les enfants, c'est des anges. Je te dis. Les enfants, c'est pas les enfants. On n'insulte pas les parents des gens. On n'insulte pas les enfants des gens. Donc, vraiment, Coco, vraiment, continue ton direct. Mais je voulais passer ce message à Fokoui. Et lui, tu dis que je ne la déteste pas. Je ne suis pas une fille rancunière, mais vraiment qu'elle arrête la guerre avec toi et avec tous ses sœurs. Tu entends? Mais si elle veut continuer dans la guerre, elle verra de ses yeux, elle n'aura que plus que ses yeux pour pleurer. Je suis ma fongonfie. Mais ça ne viendra pas de moi parce que je la. Mais je sais que l'avenir, là, c'est comme si c'est dessiné, hein. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ces choses qu'elle fait pour exposer les familles des gens, ça va lui rattraper tôt ou tard. Tu entends? Parce qu'on dit que c'est comme ça, tu fais ton lit, tu dors, c'est comme ça, ta vie est. Tu entends? Si tu te derrière pour vouloir nuire à un innocent enfant, tu dis que c'est ton enfant, Flore, que l'enfant de Coco, c'est ton enfant. Tu veux enlever l'enfant là? Tu vois pas que tu pêches devant Dieu, ma chérie? Mouni, elle va enlever ton enfant par rapport à quoi? Vraiment. C'est son enfant. Je wonder. Apparemment, même maman même dit que son fils n'est pas son fils. C'est vrai, Coco? C'est son petit frère. Ah bon, hein? C'est son petit frère. Mais tu sais ce qu'elle a dit aujourd'hui aux internautes, que son frère est parti entrer dans le camion parce que il y a eu des problèmes de famille, vraiment. C'est quoi ça? Elle explique aux gens que son grand-père avait pris la chose de quelqu'un. C'est la première version qu'elle m'avait donnée. L'autre version d'aujourd'hui, j'étais étonnée. Son frère avait que volé. On a travaillé sur ça. On a dit que celui qui a fait ça allait mourir. Ses parents sont devenus, ses parents sont partis demander pardon trop tard. Elle nous a dit le contraire, que son frère avait fait quoi. Elle a dit que elle a prophétisé, son frère a bu le caddie, que non, ce n'est pas lui, ça l'a attrapé. Moi, j'ai écouté son direct aujourd'hui. Je connais même pas sa famille, hein, mais venir parler de son frère comme ça, ça ne se fait pas. Tu entends, Coco? Même si ton frère, c'est un diable, même si ton frère, c'est un sorcier, on ne parle pas de la famille. Tu entends? Oui, c'est vrai. On protège sa famille. Même le fait que tu as vécu avec elle et qu'elle vient parler, qu'elle va enlever ton enfant, ce n'est pas bien. On ne fait pas des choses comme ça. Je suis désolée de dire cette vérité. Tu comprends? Oui, oui. Parce que qui a bu boira? On ne sait pas comment demain est fait. On ne peut pas exposer les gens comme ça tout le temps et continuellement. Et on a applaudi. À un moment donné, il faut stopper et faire autre chose. Pourquoi pas gérer des problèmes, par exemple, des problèmes de couple, des célibataires, des vieilles chouettes comme les cocos autant qui cherchent les maris, la route de l'Europe pour venir. Pourquoi pas ne faire pas des directs dans ce sens-là pour montrer la vie, comment les bordels du 237 peuvent entrer en France, par exemple. Il y a beaucoup de sujets à parler, ou bien? Je te dis. C'est seulement la vie des gens, les enfants des gens qu'on doit exposer, les gens qui ont les petites vies ici. J'ai entendu comment on a même parlé de ma soeur Aminata Gueye, la fille même qui n'est même pas, elle n'est même pas entendre parler des réseaux sociaux. C'est moi qui ai bipé Aminata hier pour dire que Ami, écoute ton nom là-bas dans la bouche des gens. Là. J'ai envoyé un message dans ton direct, j'ai dit à Tatana que Tatana, pardon. Laisse la femme là. Elle est comme elle est là. Sa grande soeur qui est binée, tout c'est ma. Ami a appelé Tatana. Hein? Tout ce que Tatana a dit, Ami a reconnu. Ami a reconnu. Ami m'a dit ceci. Ami m'a dit que, voilà, ne fasse pas ce direct, Coco, que ça parte jusqu'à Zoua. Hein? Ami m'a dit qu'elle va clasher Zoua. Parce que Zoua. Ami m'a dit ceci. Ami a voulu aider toi par rapport, écoute-moi, Ami a voulu aider toi par rapport à son premier fils, non? Tu sais que l'histoire là est sortie que grossesse Ali, c'est express, non? On a bloqué ça au niveau du consulat français. Tu entends? Oui. Et c'est comme ça que Zoua n'a pas pu avoir les Kaolo French propre, que elle a le visa, non? Ami va laver Zoua. Ça dit que Ami va laver Zoua.
Et moi, je fais confiance à Ami, parce que si Ami commence à mettre sa caméra, je dis à Ami que tu ne mets pas besoin. Regarde, va voir les cocos quoi et tout comme ça, tu payes les filles là comme ça. S'il te plaît, n'insulte pas Tata Marthe ici là, tu vois un peu comme c'est mon direct. Je ne peux pas insulter Marthe, j'ai quoi avec Marthe, je ne peux pas insulter Marthe, je n'ai aucun problème avec elle. Je vous informe, vous les internautes, que Marthe Chopa sera lavée par son ami Aminata Gaye parce que apparemment il y a une histoire de reconnaissance d'enfants, etc., etc. Moi je ne dis pas que je suis en train de... Je donne une information. J'ai le droit de... J'ai le droit d'informer ou pas? J'ai le droit d'informer. Je ne peux pas insulter Marthe, elle ne m'a rien fait. Je l'insulte par rapport à quoi? Je ne discute rien avec elle. Là, Marthe m'avait fait, Marthe m'avait envoyé une photo de grossesse. Mm-hmm. Et à l'époque, Marthe avait un problème avec Lorraine Mengue. J'ai envoyé la photo à Lorraine pour demander à Lorraine d'arrêter d'insulter Marthe. Marthe a amené mon nom chez un marabout. Oui. Et moi, en tant que ma fongonfille, j'ai déterré ça. Hein? Bon, j'ai pardonné Marthe parce que je n'ai aucun problème avec Marthe. Mais la seule chose qui m'a énervée sur elle, c'est une femme à marabout. Je n'aime pas les gens qui vont chez les charlatans. Non. C'est pour ça que j'ai coupé les ponts avec elle. Et je ne peux pas l'insulter, c'est une triste réalité. Je l'aimais bien, cette Marthe, jusqu'à ce qu'elle m'envoie la photo d'une grossesse. À l'époque, c'était une photo en noir et blanc. Et comme je voulais la paix entre elle et Lorraine Mengue, j'ai dit à Lorraine que arrête d'insulter le ventre de Marthe d'Ali Express. Voilà la photo de la grossesse de Marthe. Mais ne publie pas. J'avais interdit Lorraine de publier. Lorraine est partie publier. Marthe a su que c'est moi qui l'avais envoyé. Ouais. D'accord? Et elle a amené mon nom chez le marabout. Voilà. Maman, les gens l'ont saboté ici que bébé Emmanuel n'était pas son enfant. Dieu merci que Ndema nous parle ici que Tata Marthe l'avait envoyé la photo quand elle était enceinte. Les gens l'ont saboté. Hein? Ma chérie, elle m'a envoyé. Mais toi et moi, on connaît la vérité. Est-ce qu'on connaît la vérité? Ma chérie, laisse ça. Ami a dit qu'elle va dire la vérité. Laissons la copine de Marthe. Parce que la copine de Marthe, c'est Aminata Gaye. Parce que quand Marthe est venue ici, elle m'a dit que c'est Ami qui va l'accueillir. T'entends? J'ai vu le commentaire de Marthe. Marthe a commenté ici là qu'elle a bien lavé Ami hier. Et que quand elle est partie chez Ami, apparemment, on peut la saboter. J'ai dit donc que parce que l'ambassade a bloqué le visa de l'enfant, là, les papiers de l'enfant, que les problèmes ont commencé. Parce que l'ancien gars de Marthe a parlé que c'était une fausse grossesse. C'est l'ancien gars de Marthe qui a parlé. Le père, là, comment on appelle j'étais mon chéri, il avait écrit à une fille en Belgique. Comment il s'appelle encore le type là? Hein? Je faisais même les parodies avec ma co de Suren. Avec l'histoire du type là. Donc, tu m'avais parlé que c'était une grossesse à l'Express, est-ce que c'est nous qui parlons de ça? Je crois qu'il y a un problème entre Ami et Marthe, pourquoi? Parce que c'était une histoire qui ne tient pas debout. Tu attends? C'est pour ça que Ami m'a dit, je dis, j'assume. Ami m'a dit qu'elle va laver et rincer Marthe parce que Marthe, comme elle a voulu utiliser son fils pour les chaos, la reconnaissance et machin, truc, hein? Ami m'a dit que ça ne va pas se faire comme ça. L'ambassade a bloqué tout. Hein? Et maintenant, Marthe est fâchée avec Ami. C'est pour ça que Marthe est venue commenter dans vos directs là. Donc, il y a une guerre entre Ami et Marthe. Et moi, je suis neutre parce que Marthe, déjà, moi, franchement, je n'ai rien contre cette dame, mais moi, je ne la sens pas du tout. On dit Lambert. Voilà, c'est ça. Je n'ai rien contre cette dame, mais je ne la sens pas du tout. Ce n'est pas une dame qui est de bonne moralité. On ne peut pas inventer, on ne peut pas inventer les choses comme ça, et vouloir nuire les gens. Elle veut nuire à Ami. Ami lui a ouvert la porte. Moi, je n'ai rien contre elle n'était pas venue chez Ami pour le Waka. Hein? Parce que son nom est sorti, qu'elle était partie chez Ami pour le Waka. Elle a commenté là qu'elle a lavé Ami. C'est Coco, comment elle s'appelle? C'est Coco Hortense qui raconte tout ça. Qui d'entre nous savait que Ami... Coco Hortense est une grosse mythomane, mythowoman. Laisse, n'écoute pas Coco Hortense. Ce qui se passe entre Marthe et Ami, ne nous mêlons pas. C'est Ami qui va verser ça. Et moi, je suis que
derrière Amina Piang, parce que Amina Tanke, c'est une fille qui est c'est plus de 22 ans, d'accord, en France. Sa grande sœur d'abord, Binet Toussé, c'est ma mère. Tu comprends? Mm-hmm. Donc, je ne sais même pas. Matt était en Suisse. Qu'est-ce qu'elle m'a même rapatrié, Matt, au Cameroun? C'est vraiment le mauvais cœur. Non, là, c'est le mauvais cœur. Tu insultes comme Matt. Hein? Hein? Non, là, quand tu parles maintenant, je comprends. C'est Matt que tu insultes là. Demande, fais ton direct. Tu parles d'elle. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Je ne suis pas en train d'insulter Matt. Je suis en train de dire une vérité. Je dis ceci. J'ajoute Marthe, Marthe m'a fait quoi? Je dis à Marthe, je ne sais pas que Abidjan au Cameroun. Non, parce que tu as posé la question que. Ouais. Hein? Je dis à pourquoi on a rapatrié Marthe au Cameroun? Marthe dit bien. Je ne vais pas la laver, rincer parce que. Comme l'ambassade a bloqué le papier. Moi, mon rêve, c'est de rentrer au Cameroun, vivre comme Marthe vit là. J'ai ma maison. Je ne suis pas en location. Dis donc, tu as j'ai ma petite vie de famille. Le Cameroun, là, c'est l'argent. Dis donc, calme-toi. Tu parles de quoi? Mais Marthe vit au Cameroun. On ne va pas se mentir. Marthe vit au Cameroun. Elle dépasse d'autres Mbengis. Et en plus, elle touche son veuvage là-bas. Donc, Marthe vit au Cameroun. Je dis, est-ce que c'est un poème de Marthe ici, là? Non. Alors je te donne une information, un nouveau clash qui va commencer ces jours-ci. Toi, tu me parles de Marthe. Moi, je n'ai rien à foutre de Marthe. Moi, je respecte Marthe. Même pas une connaissance, c'est une remarque des réseaux sociaux. Je ne peux même pas l'insulter. Je ne connais pas sa vie. C'est mes copines qui me parlent de sa vie. T'entends? Mes copines que je connais depuis 22 ans, que j'ai grandi à quoi? Ami était ma voisine à Koto. Binetou, ma mère, la grande sœur d'Ami, c'est ma mère. C'est une dame que j'ai grandi avec elle à Paris dans le 17e. Donc, je te donne une information sur Marthe et sa copine Ami. Je ne suis pas en train de clasher Marthe. Je ne connais pas Marthe. Je ne peux pas citer Marthe. Je ne connais pas la vie de Marthe. Ami a dit hier qu'elle ne va jamais répondre à Marthe. Qu'elle ne clash pas Marthe. Ah, c'est ce que tu crois. Ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. Si tu veux, je t'envoie. Tu vas lire toi-même. Ah, parce que j'ai vu comment elle commentait. Si elle a dit qu'elle ne clash pas Marthe. Ami m'a dit qu'elle va se lever sur elle. Tu crois que ce qu'elle écrit là, c'est que je parle au téléphone avec elle, c'est la même chose. Ami a deux bouchées. C'est que Ami a dit à Tatana sur Coco Otance, ce n'est pas ce que Ami fait en commentaire. Hein? Ce que Ami a dit de Coco Otance à Tatana, hier, quand ils étaient en ligne, ce n'est plus la même chose quand elle vient commenter. Ah bon, hein? Oui. Ami a joué aussi au double jeu, mais je comprends. Peut-être elle ne veut pas trop. Peut-être elle ne veut pas. Elle ne veut pas les clashs. Elle ne veut pas les clashs. Mm-hmm. Elle ne veut pas. Non, ce n'est pas grave. Changeons de sujet. En tout cas, moi, je dis que courage et fais attention à toi. Prends soin de toi. Je ne te connais pas, c'est vrai. Mais ton frère Prince Mouchili, j'ai eu à parler avec lui au téléphone. C'est une connaissance, c'est un bon ami. Je n'ai pas de problème avec lui. Et je t'aime par rapport à ton frère. Coco Kouetou, je t'aime. Je t'envoie un cœur, Coco Kouetou. Je t'aime par rapport à Prince Mouchili. Où c'est Prince Mouchili? Voilà ton cœur, Coco Kouetou. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas une haineuse, je ne suis pas une rancunière. Mais en tout cas, je sais que je ne cherche pas les problèmes. Mais quand tu me cherches, tu me trouves. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que je gagne mes combats. Tu entends, non, ma? Oui. Parce que je ne cherche pas les problèmes. Maintenant, que tu connais, la Tatana me connaît depuis Paris, depuis des années. Tatana, c'est une belle personne. Ça va même étonner de voir Tatana dans les clashs. Ce n'est pas une fille qui aime les problèmes. Et Tatana ne fait même pas le Congo, ça. Elle peut parler un truc même comme ça. Même pas de bruit. Il m'a dit ça, que Tatana, elle connaît Tatana depuis l'époque de... C'est dit que devant la Tatana, que Demanou a dit qu'elle lui a offert une parure de drap quand elle était enceinte de son enfant. Demande-lui, dis-lui que j'ai dit ça. Tu entends? Ok. À Paris, dans le 17e, c'est quoi, c'était dans le 17e ou le 18e? Quelque chose, on était dans nos gandalas. Ça fait plus de 15 ans, hein? Moi, je te parle des histoires de plus de 15 ans. Et cette dame a toujours été respectueuse, bien polie et tout ça. Donc, j'ai été très étonnée de voir que Tatana est dans les clashs avec les gens. C'est une fille gentille qui a même hébergé Longuet. Tatana a hébergé Longuet à Paris. Pour information, l'artiste Longuet, Tatana l'a hébergé à Paris. Laisse. Tu connaissais ça, Coco? Ok. Je ne connaissais pas que Tatana avait hébergé l'artiste Longa. Oui, moi je savais que Longa faisait la colocation chez Tatana. Voilà. Donc c'est l'époque là que je connais Tatana. C'est depuis l'époque
1900, ouais, là, non. Nous sommes les vieilles rococo de Paris, non. Je te dis. Voilà. Donc, l'amitié entre Fokoué et Aile de Poulet, là, vraiment, moi, je les souhaite longue vie d'amitié. Vraiment. Parce que l'amitié, là, hein, on verra la fin. Moi, je souhaite que c'est... Mais tu n'as pas compris comment Aïssa Kamouaz a parlé là-bas. Aïssa Kamouaz que, hey, tu insultes ma mère. Aïssa, la petite Aïssa Kamouaz là qui est en train de construire ses maisons au Cameroun là. Hein? Oui. Qui a insulté sa mère? La comédienne. Oui, Aïssa Kamouaz a dit à Flore que, Flore de Lille, qui pouvait être dans le niveau de... Elle avait mis Flore comme... Le niveau de Sonia, la notre Sonia, la congolaise, là, non? Oui, oui. Mais comme elle est restée dans les clashs avec elle dit Aïssa Kamouaz, j'ai aimé la vidéo d'Aïssa Kamouaz et de la petite étoile cribienne. Là où elles étaient en train de raisonner, Flore, en disant à Flore que quelqu'un insulte ta mère, tes entrailles, insulte toute ta vie. Et demain, vous êtes amis jusqu'à... Vous êtes ensemble. Mais non, mais franchement, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Soit ça veut dire que vous prenez la coke ensemble, soit ça veut dire qu'il y a un truc qui vous lie ensemble que vous ne pouvez pas vous détacher. Non, rien ne les lie. C'est juste pour narguer les gens. Et tu sais qu'on est rancunier. Sa part n'est pas finie. Donc là où elle est là, elle n'oublie pas vite. Et compris ça aussi, elle-même, c'est le Jacques, elle aussi là que Agodouaou. Il n'y a personne pour lui dire c'est à moche. Donc elle va seulement rester là avec Ngoué que de temps en temps faire les petits PayPal. Et comme Flan aime aussi donner où on va parler d'elle et faire son atalakou, elle a le choix. Donc les gens là, non, c'est Nyamia Nyariou. En tout cas, moi, j'ai voulu simplement passer un message à Fokoué qu'elle arrête d'insulter mon sac. T'entends, non? Oui, ma. Donc, je te laisse continuer ton direct. Merci de m'avoir accepté ce soir. Que Dieu te protège, protège tes enfants. N'oublie pas de prier avant de dormir. Hein. Tu sais que mon gouvernement, c'est le gouvernement du Saint-Esprit, avec le gouverneur éternel, Dieu, celle qui ne connaît pas le mal et le mal ne me connaît pas. On n'a pas insulté quelqu'un dans ton direct. Oui, on a insulté, oui ou non, on a insulté personne. J'ai passé un message à Marthe Choupa. J'ai dit à Marthe Choupa que ton ami. Ami va te clasher parce que le truc que vous avez fait, l'ambassade a bloqué. Je suis au courant de ça. J'entends. Bon. Mais Ami aussi que... parle. Hein? Ami parle. Hein? Ouais, parce que c'est ma soeur, je parle avec elle, non? Bon, quand tu viens maintenant, là tu es en train de trahir parce que Ami a dit en commentaire qu'elle ne fait pas de problème avec Marthe. Ami a déjà commencé à lui parler sur WhatsApp. Ami m'a dit ça. Dit, on laisse ça. Ah. Tu crois que ce que Ami vous dit à vous, est-ce que Ami ne veut pas vous alimenter les clashs et tout? Arrête! Ami ne veut pas vous alimenter. Marie-Ange, le gouvernement du Saint-Esprit avec Maudit. Les ancêtres et les... Marie-Ange, le gouvernement du Saint-Esprit avec les ancêtres et les marabouts, quel paradoxe. Marie-Ange, les ancêtres et les marabouts là, hein, c'est nos premiers dieux sur terre parce que tu honoras dans les 10 commandements, c'est marqué. Tu honoras ton père et ta mère et tes jours seront prolongés sur terre. Ok? D'abord, les ancêtres ne sont pas les marabouts. Et ma culture, ma mileke, je la respecte. Ok? Si tu es bête, si tu es stupide, si tu n'as pas compris que tu dois honorer ton père et ta mère, c'est ton problème. Ok? Sale chienne idiote, ne me fais pas changer de bouche ici dans le direct ici là. Imbécile. Salope. Non, Marie-Ange dit que. Marie-Ange, où c'est Marie-Ange dit que les ancêtres et les marabouts. Je lui explique que dans les 10 commandements de Moïse, dans les 10 commandements de Moïse, on doit d'abord respecter. Tu honoreras ton père et ta mère et tes jours seront prolongés sur terre. Ah, ok? Et moi, je suis d'une Bamileke Bantou. Et chez nous, les Bantous, on a les coutumes, on a les traditions. OK? Moi, si on m'a choisi, si la tradition m'a choisi, je dois respecter la tradition. Tu as compris, Marie-Ange? Salut à tous. Je suis en train de manger. Pardon, dégagez cette fille-là. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Même si tu n'aimes pas Matt,
Laisse-la tranquille. Parce que c'est toi qui as commencé. Tu es parti donner la photo. Tu ne sais pas qu'on peut bloquer son enfant comme ça spirituellement. Toi qui dis que tu connais le truc de Dieu et machin là. Quitte-la, Ndemanou. Quitte-la. Quitte dans le direct de cette fille-là. Va faire ton propre direct. J'ai dit ça sur Emma Commodore. Va dire ça. Hein? Quitte dans le direct de Coco. Laisse ce que les gens peuvent. Coco fait son direct. Va faire ton propre direct. Tu as le problème là-bas. Va là-bas arranger ça dans ton mur. Laisse les gens écouter ce que Coco a fait. Quel problème, madame? Déjà, bonsoir, madame. Non, 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 un peu de politesse. Bonsoir, madame. On dit bonsoir. Si vous êtes mal élevé, c'est votre problème. Alors, quand on va dans un direct, il y a un minimum de courtoisie. On dit bonsoir, madame. Comment allez-vous, madame? Vous allez bien? Et puis, on pose des questions. Et on se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Madame, je vais vous demander de la fermer. Moi, j'ai fait ça pour Marthe, pour aider Marthe à l'époque. Fermez-la, madame, parce que vous n'avez rien à me dire, madame. Vous êtes mal politique, mal élevé. Vous êtes une chenasse. Si vous voulez vous faire remarquer, le Kama va t'attraper. Le Kama va t'attraper. Moi, c'est qui ça? Non, Ndemanou, je ne te permets pas, ne viens pas insulter les gens dans mon direct. Non, non, c'est une mal élevée, il ne fallait même pas la laisser parce que je voulais en même temps te parler depuis que tu l'enlèves dans ça parce que j'écrivais. Non, je ne le lisais pas. Tu ne sais pas les commentaires, la petite me dérangeait. On fait jamais les choses comme ça, elle est en train d'alimenter la haine. La toile est déjà calme, déjà. On est en train d'arranger les autres problèmes que tout doit être calme. Elle vient là maintenant, elle commence à faire commenté ici, la tête ne fait pas de problème avec eux. Elle ne peut rien débloquer. Elle ne peut rien débloqué. Pasteur. C'est comment, mensonge, pasteur? Ah, je suis là. Ça va, Coco? Salut. Je monte là. Je suis en train de vous écouter. Je monte là, c'est pour Ndemanou. Big up à tout le monde. Je monte là, c'est pour Ndemanou. Les voilà des sorcières. Les voilà. Hein? Je t'ai dit, elle monte ici, là. Moi, j'ai déjà dit que, pardon, ne suis pas mal ici. Je n'ai pas mal de problèmes avec Matt. Tu parles du Saint-Esprit, tu viens coller les têtes, tu viens faire ça pour Matt. Hein? Vous êtes au courant de tout. Hein? C'est bien fait. Il faut qu'elle ne pas te parler ça sur sa page. Oui. Elle est délicieuse, cette Ndemanou, là. Hein? Voilà des gens qui portent des tics, à nous, on m'a fou. Hein? Et voilà leur comportement de sorcière. J'ai fait ça pour Matt, j'ai fait ça pour Matt. Anno Wama, j'ai fait ça pour Matt. Mais tu veux aider Matt, Matt est en danger. Tu veux aider Matt, que Matt est en danger, Ndemanou. Hein? C'est vous qui êtes là, vous semez des psychoses là sur Facebook. Hein? Des vieux pour Anno Wama, Benganda Paris, nous sommes les insères, coucou. Hein? Ndemanou, la fille de Dieu. N'importe quoi. Et les filles de Dieu, ça fait ça là. Hein? Je voulais passer le message à Ngoué. Après, je vois que ça. Elle appelle déjà le nom de beaucoup de personnes. Je ne comprenais plus rien. Qu'est-ce que nous avons même fait au bon Dieu? Allez, ma fou. Ok. Je suis venu faire ça pour Matt. Je suis venu faire ça. Et c'est en plein direct. Tu vas venir dire ça. Hein? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? L'éthique, voilà, tout le monde se tourne pour ça. Mafou. C'est comme ça le comportement de Mafou, hein, de Manou. Ha. Tu viens faire ça sur la les page. Les Mafou du couloir d'or. On va venir dire que c'est Coco Kouitou qui a organisé ça. Oui, après on va m'insulter, on va dire que c'est moi. Je ne veux même pas qu'elle. Viens insulter Matt ici, j'ai pas moi de problème avec Matt, pourquoi l'insulter sur ma page? Je vous ai dit que Matt, c'est la coule douce, elle a son cabaret là-bas, dans une zone touristique à Kribi. Et elle vit bien, on va pas se mentir. Voilà. La dame la vit au pays comme si elle était en bain.
Elle est tranquille, on ne va pas se mentir. Moi, c'est mon rêve, hein, pasteur. Moi, je veux, moi, dès que j'ai ma nationalité, là, je rentre rester au Cameroun. Je viens seulement en Belgique, je rentre. Je te dis que celle-ci, partout, elle intervient. Hein? Martha, c'est mon modèle. Je vais être comme elle, là, que je viens seulement. Je ne reste pas ici. Les enfants restent ici. Moi, je fais mes allers et retours. C'est mon modèle là-bas, Martha. Je sens que depuis que Vassirou avait décuit ton derrière, là, hein, c'est la dépression là qui t'anime jusqu'à aujourd'hui. Elle a bouillé avec le monsieur là. Hein. Vassirou avait décuit ça là, non? N'est-ce pas? C'est là-bas là, sur est-ce qu'on avait, oh, on avait soigné son derrière. Avec le souverain. Oui. Waro, j'étais en train de foutre le souverain domicile. Donc, c'était vrai l'histoire là. Ah, mais oui, attends, c'était ça. Alors, ma mère voulait me faire venir là-bas. Il dit que Wado, j'étais parti à Château Rouge chercher le souverain domicile pour calmer. Alors que c'était encore devenu plus grave. Vaut mieux encore le matelas que le souverain domicile qu'on avait nettoyé. Maman, il y a des choses ici d'ailleurs. Hein. Maman, Wado, Wado, ça a vu beaucoup de choses ici d'ailleurs. Il dit que Wado, c'est l'aéroport. Et les gens en veulent la Wado. Wado, il a beaucoup bossé. Hein. Il dit que Vassirou avait fini les langues de Demanou. Elle a quitté la balle de Demanou avec sa petite boîte allumée là. Hein? Elle a mis deux coussins pour s'asseoir. Elle a fait au moins 13 arrêts sur les aires d'autoroute parce que le derrière chauffait. Ça assure que Wallo était en train de soigner ça. Elle a accepté quoi comme ça? On avait drogué, pasteur. Assurance, Wallo est cuisinière. Elle est médecin. Elle est tout infirmière. Et il y en a qui. Wado fait dans tout. Oui, oui, il y en a qui partent là-bas. Là. Les genoux se cassent. C'est Wado qui masse. Hein? Il y en a qui partent là-bas. Là. Alors, malade, on était en train de mettre l'air. Le ventilateur de Wado ne fonctionnait pas. D'après là, vous vous souvenez. Hein? Quand elle peut se perdre son ventilateur. C'était avec une planche qu'elle mettait l'air en débat nous. Alors, malade. Je demande ça. J'étais au 93, je ne te demande pas, Coco Kouetou. J'avais refusé de partir. Maman, demande-nous, on te casse, tu pars chez les gens. Tu ne pouvais pas rentrer chez toi, chauffer l'eau et le souverain domicile. Qui allait s'occuper? Demande-nous, vit comme voilà, une veuve, une vieille veuve, toute seule. Il manque que c'est un animal de compagnie. Demanou devait déjà avoir un petit caniche, animal de compagnie. Hein? Non, elle est son fils, elle a un garçon, je pense son fils a déjà 12 ans maintenant. Le garçon est chaque temps parti. Tu sais que ici, hein, est-ce que c'est ici, l'enfant vient souvent le week-end. Demanou est parti en Allemagne, Vassirou a fini ça. Merde. Non, ne prends pas La petite Mercedes, la boîte d'allumettes là, elle avait fait au moins 13 arrêts. Elle avait mis deux coussins sur le siège pour conduire. Alors, maman, l'oppressement de ça, Vassirou, c'est papa. Attends, est-ce que c'est papa, c'est celui-là? Oui, Vassirou, c'est celui qui dit bienvenue dans la clinique de papa. Voilà. Et elle aimait parler dans la clinique de Vassirou pour se faire soigner à Cassures. Et c'est Guaros là qu'on manque de respect aujourd'hui. Ouais. Et il y en a qui partent là-bas, là, où ça perd raison. C'est Guaros qui fait tout. Hein? Il dit qu'elle était quittée là-bas, là. Il te dit que. Et Guaros n'a pas appelé Vassirou pour lui dire qu'on ne fait pas ça à l'enfant de quelqu'un. Mais il n'y avait que moi qui avais frappé Vassirou. Ah. En même temps, il frappait de Vassirou que tu étais parti chercher quoi. Hey, maman, il y a des. Maman, le toit s'y garde les trucs. Il y a des choses ici dehors. Hein. Les jours de Ndemanou là, en deux jours, ce Waros, hein, ça avait diminué. Il dit que le soumon novicique, il dit que Waros avait cherché ça à Château Rouge. Hey, il fallait. Hey, tu vas te blesser. Laisse ça. Yachoua. C'est dans le magasin de jouets là où Frédéric Hill part souvent que Waros avait trouvé le soumon novicique. Ça a embaumé les langues. Hein? Il dit qu'il fallait voir Ndemanou, il fallait voir ses joues. Elle a même mangé deux balles là-bas. Là. Deux balles là-bas. Ndemanou était couché comme un PD qu'on a bouilli, il a chié le héros. Il dit que. Et Wado dit même qu'elle n'avait même pas de dessous. Ouais, Ndemanou, tu vois alors comment Dieu fait ces choses. Ndemanou, tu voulais
Tu es monté ici là pour rabaisser Tata Marthe. Tu vois comment Dieu fait ces choses. Ce n'est pas bien, Demanou. Et après, tu lui dis que Aminata Gueye a dit que ça ne peut pas faire ça. Hein? Elle insiste. Elle dit que oui. Ce qu'elle dit dans mon inbox, c'est ce qu'elle dit en direct. I know woman, ce qu'elle dit dans mon inbox. Hein? Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui, les mafous? Hein? I know woman, les chams. Parce que moi-même, j'ai vu les commentaires où Aminata disait qu'elle ne fait pas de problème avec Marthe. Même Marthe ici, Marthe a dit que... Est-ce que Aminata, même dans tout ça, Aminata, hein? Même ses commentaires, est-ce que c'est violent? Est-ce que, hein? Même quand vous voyez même celle qui est au pays, là, hein? Elle dit bien que ne me cherchez pas demain, ne me cherchez pas demain. Voilà. Les connexions à 15 francs. Je t'ai dit. Hein? Les connexions à 15 francs. Tu peux entretenir, toi qui es au pays, là, tu peux entretenir, voilà, un semaine, 2 heures. Hein? Manu Wama. Hein? Je dis la vérité chaque temps. Autant ce que coûte tes connexions, c'est des connexions à 15 francs. Tu comprends? Tu ne peux pas supporter un clash. Tu vas bavarder tous les jours. Elle commence à dire que son deuxième téléphone dérange, non, même l'autre dérange. Non, elle n'a rien. Elle a rien. Elle dit que l'Angala, elle est pauvre comme une souris d'une église. Elle manque comme un serpent. Elle te dit. Même les gens qui l'ont aidé ici, à payer la pension de Kenzo, elle insulte les gens là. C'est bien. Même Mathilde, elle devait venir avec les papiers de. Avec la carte de séjour de Mathilde. Elle ne peut pas. Tu sais, la boîte noire, tu sais, moi, je t'avais donné un bon nom. La boîte noire. Tu fais la boîte noire que quoi, coucou? Voilà. Non, tu es la boîte noire. Tu sais, quand l'église donne attribut, c'est ça. Tu vois, Coco Otance, regardons tellement le mensonge qui a suffi pour le contrat. Tu comprends, non? Voilà, tu sais, le contrat et tout ce qui va avec. Tu comprends? Elle trompe elle-même parce qu'elle se ment elle-même. C'est pour ça tout ce que. Elle ne peut pas venir ici. La nature ne peut pas accepter ça. Attends, Coco Koutou, avec tout ce qu'on a déjà ici comme problème. Je t'ai dit, mais ma pampère, 40 ans à la cile. Elle est là-bas, elle dit qu'elle est belle, elle est ceci. Hein? Une femme de nuit, des cabarets, l'anga que vous voyez là. Hein? On a Mougou partout, elle dit que oui. Oui, elle avait dit qu'elle coupait un peu, qu'à Essos, ça ne donne plus, il y a les petites filles Banyangi là, à Essos qui cassent le prix. Yedika, même si on est toujours, même Aminata Gueye là, elle va nous sortir un lourd dossier de son appartement là. Il dit que Coco danse. Hein? Si tu vois le. Là, la fête, c'est pas à commencer ici là, tu comprends, non? Mm. On a défendu Coco danse, mais Aminata savait que Tata n'a menti parce que comment Tata n'a su qu'il y a des choses qui se passent là-bas puisque sa belle-fille se plaignait que la maison était hantée. Mais comment Tata n'a au courant de ça? Tata n'a commencé à dire que non, la fille là ne parle pas d'elle. C'est ouais, qu'elle laisse comme la ça. Là. Tata n'a calmé. La boîte noire, ça veut dire même les voisins, c'est Coco danse là. Tu comprends, non? Les maris des gens, c'est les mêmes gens que ceux de Rouen. C'est la déception. Vous voyez toujours les vieux pots qui sont tout le temps. Ma mère m'a donné la greffe. Ma mère m'a donné la greffe. Hein, ma mère m'a fait ceci. Regardez très bien. Hein? C'est des castings ratés. Ah oui, c'est des castings ratés. Parce que quand une gars dit qu'elle brille, hein? Tu peux venir en Bengue. Les gars que toi tu es juste question, les deux sont en Bengue. Toi tu es au pays. Hein, et tu ne prends pas une minute de silence comme le maréchal dit. Hein? Prends une minute de silence, voilà la fin d'année. Coco autant, prends une minute de silence. Sora dit que tu n'as rien contre les Nadej, que tu n'as rien. Tu es à la cour. Elle vient de finir le direct là. Oh, ne me cherchez pas demain, ne me cherchez pas demain. Alors, elle supprime, elle n'assume pas. Parce qu'elle sait que non, quand tu vas écouter, tu vas venir répondre. Elle n'assume pas ses directs. Je dis que. Je voulais un peu rendre celle-là heureuse, ne serait-ce que pour qu'elle puisse me voir au pays. J'ai vu que ça ne valait pas la peine. J'avais dit à Tatana que, Tatana, si tu avais celle-là, cette puce-là, s'il te plaît,
Tu vois pas, non? On ira sur le carnaval en France. Tu vois pas? Oui. Même la soeur de Tatana avait dit à Tatana qu'elle ne veut pas voir Tatana avec la fille là chez elle. Et c'est toujours elle qui commence par appeler les gens. Quand elle était tombée dans mon inbox, c'est quand elle me voit avec Jessica. Tu comprends, non? Oui. Jessica. Elle est venue dans mon inbox. Hein, que oui, elle est bien ma conseillère. Hein? Me conseiller avec qui voter là sur Facebook. Même Frédéric là avait framponné Frédéric là. Ce n'est pas. Oui, oui. Elle m'avait dit Frédéric l'avait beaucoup aidé, mais. À un moment, Frédéric, elle avait dit qu'elle était avec Lolo, qu'elle préférait Lolo. Elle est comme ça, elle mange partout. Quand tu vois ces mandibules-là, comment elle vient faire de passer des Allemands. Mais mon ami, c'est parce qu'elle mange beaucoup, elle est une doc, c'est du camer. Mettez les cas, non. Tu n'as pas vu comme du camer m'a clashé parce qu'il voulait que je passe là-bas chez lui raconter la vie de Flore avec maman Pépé parce que ça n'avait pas fait d'impact chez Amer Kamer. Je ne suis pas parti. Il a commencé à faire des trucs de ces trucs-là sur moi. Non, laisse lui là. La boîte noire, tu sais, si tu remarques que bien, la personne qui s'attaque à des bises, tu comprends, non, on descend. Lorsque nous descendons, le maréchal est entouré de personnes réfléchies que quand on tient un plateau, hein, on déstabilise. Tu vois, hein, de l'autre côté de l'Italie, hein, il y a eu des conseils qui ont été donnés, voilà, par les deux maires, que bon, voilà, ne fait plus les directs chaque temps. Hein, et ne fais pas, ce n'est pas parce que l'église dit que tu es sale, que tu veux te précipiter, ne sais pas, selon, tu comprends, non, c'est ça. Hein? Les deux stations là à l'église en Caïman, ça ne veut pas avouer les conseils que nous donnons, tout ce que nous donnons ici là, voilà, ça n'a pas conseillé la petite charité là, tu comprends, c'est ça. J'avais dit ici que le censurage s'est moué derrière, les gens ont accepté, c'est avec ça qu'elle regarde les profits les directs de ses détracteurs. Voilà, non, elle en a beaucoup, tu vois, elle en a beaucoup. Tu sais, moi, j'ai même j'essaie un peu d'épargner celle-là, celle qui va vivre partout là. Voilà. Parce que celle qui est à Rouen là, tu comprends? Tu as dit, même dans la vie réelle, elle est méchante. Elle est méchante. Tu comprends? Elle n'a même pas aidé même les personnes la personne qui a fait en sorte qu'elle arrive ici. Parce qu'elle n'est pas venue faire les études. Elle est venue pour un but bien précis. Elle a échoué. Là, voilà, elle a recommencé tous les matins. Donc, vous voyez déjà avec les trucs roses, avec le bonnet rose tous les matins. Hein? Je ne comprends pas. Et c'est elle qui part discuter les demi-kilos de clips. Elle parcourt 8 kilomètres. Ça dit, Angala veut tuer Thierry. Je comprends pourquoi le ventre de Thierry gonfle seulement. Hein, les intestins, les boyaux, tout ça, la viande la moins chère. Elle dit que oui, Maman Chantou m'appelle, elle m'appelle Maman Pépé. Oui, elle aussi, les numéros sont déjà de la présidence. Il dit que j'ai jamais vu. Compression nous a fait comprendre aujourd'hui que hein, Papa Paul et Maman Chantou aime la pire, voilà, Maman Pépé, voilà. Elle est en train de dire qu'elle a reçu un gros numéro venant de la présidence. À nous, Maman Guylaine s'appuie. Les modèles, ils n'ont pas de numéro, les gars-là n'ont rien. Voilà. Ça veut dire, Ngwe était avec Maman Chantou, je ne sais pas si c'est là-bas, à New York. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu les photos. Je ne sais pas, j'attends. C'est président Amoki qui allait négocier pour qu'elle entre même à la présidence. Parce que je ne veux même pas parler de ça. Parce qu'il y a la belle-sœur, je ne sais pas si c'est la belle-sœur de président, selon ce que Ngwe me disait, qui est proche de la première dame. Donc elle devait passer que par le président pour entrer. Il te dit que quelle présidence même a étudié. A étudié. Ngwe a dû m'étudier. Non, elle rêve, non. Apparemment, la sœur de Maman Chantou est suffisante. Laisse celle-là, alors, tu comprends? Tant qu'elle-même ne fait pas briller son étoile, tant pis pour elle. Tu comprends?
Les chiens. Voilà ça, non. On avait cuisiné les pattes des chiens à Frédéric. Ne vous posez plus de questions pourquoi elle marchait beaucoup. Tu comprends? Tu connais les chiens, au pays. Les chiens au pays. Je dis que... Et toi, tu as grêlé au carrefour, tu peux trouver ton chien à la poubelle. C'est Flore. On a cuisiné les pattes des chiens à Flore. Hein? Donc là-bas, là, Marco travaille pour nous, travaille pour nous. Alors, elle va faire le barbier là avec pour Sako. Comme pour Sako, alors. Sako a ça comme si on l'avait blindé avec ça. Il n'a jamais vu une femme qui aime marcher comme ça là. Et comment Mougou ne va pas sortir ça là? Quand on avait cuisiné les pâtes des chiens, les pâtes des chiens. On a mangé ça. Je dis que. Mais Langa, elle a marché. Hein, et c'est elle qui n'est pas bien. Il a dit que. Yaoulou. Il a dit que. Tu sais, je... Et c'est comme ça qu'elle se plaint. Hein. Quand elle rentre comme ça, elle se plaint. Elle avait dit qu'elle masse beaucoup les pieds et clampe dans l'eau. Ouais, il a dit qu'elle a boit de moi. La personne là, elle est quand même. Il a dit que. Le jour que j'avais dit que après les lire au téléphone 4 ans, on t'avait cuisiné les pas des chiens. Hein? Tu ne peux pas te concentrer. Elle me dit, le gars, si tu es mon père. Hein? Mais. Non, il a dit qu'elle a boit de moi. Coco, elle a pris un coup. Elle a pris un coup. Elle a pris un coup. Il dit que la passion, elle a arrêté son délai là tout à l'heure. Hein. Mais c'est comme le crash d'un avion. Il te dit, ne me cherchez pas demain. Ne me cherchez pas demain. Ne me cherchez pas demain. Alors que Ngoulé est en train de la personne demander... qui donne un peu le courage à celle-là, c'est Linda Moreni. Ah. Je sais qu'elle a cœur de poulet, non? Elle a cœur de poulet. C'est Linda qui lui donne un peu le courage que sort. Il ne faut pas avoir peur. Sort. Il a dit que baisse tout. Même pour s'exprimer même. Hein? Mm-hmm. Un petit piquet, Coco. Elle dit que j'ai vu comment Mandjara est allée commenter. Mandjara dit seulement que Coco danse la pelle, elle a mis Mandjara sur écoute. Donc elle appelle quelqu'un, mais la personne sur écoute, elle dit que c'est Tata Naa qui l'avait forcé d'appeler la personne. Ouais. Il dit que je n'ai jamais compris son état d'esprit. C'est elle qui pompe les Bengueters et c'est elle qui est toujours dans les histoires des Bengueters. Je ne comprendrai pas, je ne comprends pas. Hein? Elle dit que toutes les copines de Coco Danse sont ici en Bengue. Elle pouvait bien profiter, tu vois. Elle pouvait être là, qu'elle est serviable. Quand les filles arrivent comme ça, on garde Coco Danse. Donc, si tu veux faire des courses, tu l'appelles, elle profite aussi, tu vois. Parce que tu ne peux pas envoyer quelque chose, tu ne peux pas envoyer une personne sans motiver la personne. Elle pouvait être là, comme elle veut être amie avec tous les Mbengis là. Elle est amie avec tout le monde. Elle profite, mais elle ne parle pas des autres. Elle ne prend pas ici pour aller dire là-bas et tout. Quand Waka me clashait, c'est elle qui venait me dire qu'ils ont fait ça sur toi, ils ont fait ça sur toi, ils ont fait ça sur toi. Et moi, je pensais que quand elle me racontait ça, j'allais faire bisous à Tata Naa dans la bouche. C'est où moi-même aussi, je pars, j'étais en guerre avec Tata Naa. C'est pas comme si c'était maintenant, je suis bien avec Tata Naa, je n'ai pas mal parlé de Tata Naa, non. Et Ngoa frappe Coco, hein? Merde. Ah, je n'ai même pas tout écouté, j'ai juste écouté la partie où Ngoa dit qu'elle va récupérer les enfants. Ça me chourou. Il dit qu'elle a frappé, elle a frappé Coco. Il dit que. Ah. Elle a surnommé, tu sais quoi, Coco, c'est quoi là? Ça a donné un nom. Mbunga Krikata. Voilà. Même Coco l'a un peu framponné. J'ai vu l'autre direct où Coco disait que, ok, elle ne répond plus à Tata Naa. Elle va maintenant répondre à Ngoé. Ah bon, hein? Oui, j'ai vu. Je ne sais pas si elle a enlevé son direct là. Elle a répondu à Flore. Non, je sais qu'elle a cœur de poulet. Elle est comme ça.
Elle est faible d'esprit. Et comme fait encore Franck pour elle. Elle veut tout faire pour publier Richard. Elle veut tout faire comme le monsieur est parti, non? Elle veut tout faire pour publier le monsieur. Elle a la rage de ça. Elle voit déjà sa vie en bain. Je dis que l'Angala, si elle ne cherche pas à retourner au marché des sorts, hein, parce que ça elle veut venir en Bengue, elle va se retrouver avec la calvitie là-bas, là en bas. Qu'elle continue. Mm-hmm. Moi, je dis, hein, quoi? Tasse Coco, si toi tu es là, que tu gagnes Bengue, au lieu d'aller récupérer ta place au marché des sorts, tu vas te rendre compte que lui. J'appelle Mouni. Faut Mouni, non. Les gens qui ne veulent pas un don. Toi, tu vas arriver quand Bengue ya est fini dans le domaine que toi, tu es venu là. Mouni. Tu n'es même pas don. C'est pas là ta bouche. Va récupérer ta place au marché. J'appelle Mouni. Fais mal à ta bouche. J'aime. Mon cousin qui gère le marché de Mfoudi, si tu veux une place là-bas, les tas de macabou, des plantes. Mouni, fais mal à ta bouche. Je n'ai jamais vu. Tu comprends la boîte noire, je suis en train de donner un conseil à ton cœur. Elle est là qu'elle veut seulement venir en ville au lieu d'aller récupérer sa place là-bas, leur marché des sauces. Elle va se. Je dis qu'elle a nagué une dame aux États-Unis avec l'histoire de la place là. Elle va se retrouver avec la calvitie, Ilan, hein, Tangembengue, au Kalga Koko, Tangue, le Babang, même l'état de banane. Voilà, j'ai mon cousin qui commande le bal en Fundi. Si tu veux une place là-bas là, pour aller manger les tas de mbanga et de bananes, tu veux venir en Bengue. Une villageoise comme toi, tu vas venir faire quoi ici? Elle comptait, elle voulait fuir. Dès son plan était que non, dès qu'elle arrive ici, là, elle sent Aminata. J'ai dit que non, si Aminata dépense pour que tu came walk, puisque quand elle venait, puisque Aminata ne fait pas le Jacques, elle ne note pas ce qu'elle vient d'où. C'était pour venir walk, tu vois un peu. Oui. Elle a bien sa place là-bas à Lyon. Son camion est là, hein, le camion blanc. On a tout arrangé, tu vois un peu. Ça va ne pleure plus. Pour que je suis une zone. C'est comme ça que, dans sa tête, non. Elle dit qu'elle arrive, elle va fuir Ami, elle va maintenant entraîner avec Tatana. J'ai dit que non, ne fais pas ça. Moi-même, j'ai dit à Tatana que n'accepte pas toi. Si Ami dépense pour qu'elle elle va voir l'argent des amis. Pourquoi elle va venir chez elle? Va venir rester avec toi. Après, on va dire que c'est toi qui as détourné Coco. Tu vois. J'ai dit à Coco que tu peux voir, tu donnes le double comme vous vous arrangez. Mais après, tu deviens indépendante. Tu vois un peu, non? Dans sa tête, c'était qu'elle voulait seulement traverser. Donc, le genre qu'elle arrivait, c'est un temps même ami. Elle avait déjà des connaissances, les Gabonaises, les amis de Pamela. Elle me dit qu'il y a une fille au nom de Pélagie qui marchait avec Pamela. Ou c'est Pélagie, ou c'est. Oh, j'ai oublié le nom là. Que la fille marchait avec elle. Si elle arrive, elle va elle partir qu'en Belgique. Donc regarde alors, quelqu'un veut te faire venir en Europe. Tu as déjà l'idée d'arriver en Belgique et tu ne peux pas rester qu'en Belgique. Parce que tu ne veux pas work pour rembourser les dos. Il dit qu'elle va caler là-bas, là. Elle va retourner au marché. Elle est femme du marché quand elle a commencé le dossier, non. On a tué ses dos. Regarde, quand tu on a chop ses dons, on a chop l'argent d'Aminata. Elle ne sait même pas d'Aminata qui a mis son argent dans le beau, pour le réseau. Elle pleure seulement ses dons. Elle ne pleure pas pour Aminata. Le monsieur a pris les dons manger. Elle dit seulement que ouais, il y avait mon argent dedans. On est en train de te faire venir en Bengue. On tue les dons. Tu pleures que ton argent. Tu ne pleures même pas l'argent d'Aminata qui veut te faire venir. Ouais, Coco. Oh. Mbombo. On s'appelait Mbombo. Quand elle m'appelle, elle dit Mbombo. Pardon, il faut effacer. Parce que je sais que tu vas te réconcilier avec Ingwe. Le problème, c'est que quoi? La boîte noire. On ne fait pas de Kongoussa tout seul. Tu comprends, non? Oui. On parle de tout le monde. Disons-nous des vérités vivantes. Mais ça dépend
n'est-ce pas? Mm-hmm. Il y en a, quand ça parle des eaux, ça se pose des questions. Tu comprends, non? Par rapport mm-hmm. à ce que tu as vu hein, chez ces personnes, tu comprends? Oui. Il y en a vraiment, ils critiquent, il y en a qui posent des questions, tu comprends? Mm-hmm. Mais les gens qui sont toujours là hein, pour venir dire, hein, elle a dit ceci, il a dit hein, cela, on dirait que oui, il faisait ça tout seul. Oui. Les gens qui viennent souvent faire écouter les gens, hein, ça me fait mm-hmm. écouter, tu comprends? Parce que quand vous causez, vous envoyez des voix, hein, mettons mm-hmm. qu'il est sorti pour l'autre, hein, parce que lui, il n'a pas pensé de garder comme toi, hein, ou alors enregistrer, je ne sais pas. Coco, j'avais conseillé Coco, j'avais dit Coco, arrête de vagouiller. C'est le même conseil que j'avais donné à Elise Batane. Mm-hmm. Arrête de vagouiller comme tu vagouilles là. Sois quelqu'un de neutre. Tu peux m'avoir même 10 amis ici, à Bingé, sans que les 10 personnes ne sachent. Est-ce que tu comprends? Mais si toi tu es que tu avais ce cours aujourd'hui, dès que tu vois Nadège, hein, tu mm-hmm. parles de Coco à Nadège. Tu comprends? Dès que mm-hmm. tu vas voir peut-être que de Komamou, tu vas parler de Nadège, de... non. Ça, c'est son travail. Mm-hmm. Mais elle voulait plutôt me conseiller hein, dans quel team évoluer. Tu comprends? Mm-hmm. Voilà. Tandis que moi, je voyais, on la frappait de gauche à droite. Hein, un mm-hmm. manque de respect au clan, j'ai dit, madame, pourquoi on la m'amène comme ça? J'ai commencé à la soutenir. Ouais. Tu comprends? J'ai oui. dit, voilà, je vais venir au pays. Tu comprends pas? Mm-hmm. Que je vais venir au pays et que je vais souvent squatter au marché. Mais après, j'ai vu là sur la toile, son comportement là sur la toile. Dès ici, là, j'ai dit ah, que non, je ne peux pas la voir. C'est pour j'ai ça. Dit ça mieux que vite. Quand Nadège m'appelle, je constate que voilà. Elles étaient à deux. Moi, j'ai dit à Nadège que non, je ne peux pas te voir avec Coco. Non. Tata n'a le cœur aussi. Hein. Quand la fille entre en contact avec Tata Na, je suis avec Tata Na. Hein. Ah. Elle a commencé à renvoyer les voix de Jessica et les échanges ah. de Jessica ah. et Bacho. Voilà. Jessica, elle a envoyé pour qu'elle écoute. Elle prend, elle envoie à Tata Na. Mm-hmm. C'est pour ça que Tata Na sort, Tata Na commence à clasher la famille de Bacho. Tu crois quand j'ai dit souvent à l'église qu'il y a des vrais sorciers dans Facebook, mais sur Facebook, sauf que la sorcellerie est tellement minable. Mm-hmm. Même dans la vie réelle, hein, ils n'ont pas pu tuer même une mouche. C'est qu'elle fait là qu'ils m'ont forcé d'appeler telle. Même pour Jessica, elle disait que c'est Jessica qui forçait Coco Hortense et Bacho d'insulter Tata Na. Non, elle joue souvent un mauvais rôle. Elle pouvait beaucoup profiter des gens, oui. mais... Même quand Marie-Thérèse Babon l'a envoyé l'argent, elle a dit à Tata. Elle a fait le Congo, ça que MTA a envoyé. Tu vois donc. Et les petites informations, puisqu'elle ne connaît rien sur Coco, les petits mots qu'elle allait utiliser, les, tu vois, comme si elle donnait le fax, non. J'étais là. Tata n'a parlé avec elle, Coco était là. J'ai dit à Tata n'a que passe-moi le téléphone. J'ai dit que pourquoi tu veux insulter Coco? Tu as quel problème avec Coco? Elle dit que non. Si elle n'insulte pas Coco, l'autre, j'ai dit que non. On ne sait jamais. Tu peux arriver ici en Europe. C'est Coco là qui te tend la main. N'insulte pas Coco Lago. Tu as quel problème avec Coco Lago? Pourquoi MT n'aimait pas sa caméra? Elle insulte. Et j'avais vu le rôle que MT jouait quand Tata Na insultait Poche Cayenne. J'avais vu le rôle de MT. J'ai compris que non. Ce n'est pas comme ça qu'une personne doit se comporter. Tu vois un peu, non? Oui. Elle te pousse, donc elle fait toujours des choses bizarres, qu'elle est derrière, d'autres sont en train de se salir, je vais appeler ça salir, créer des problèmes, créer des ennemis, MTA est cachée derrière. Elle-même ne sait pas quand, elle mm-hmm. a un petit truc en elle, tu comprends, que si mm-hmm. elle n'était pas comme ça, si elle se concentrait, elle-même ne sait pas ça. Là, on s'est dit des vérités.
Hein? Elle était dangereuse, hein? MT, comme elle vous voyez pouvait, là, elle est dangereuse. Elle fait des choses derrière. Elle pouvait profiter, voilà, de toutes ses sœurs de Mbengue là. Mm-hmm. Mais ses intentions ne sont pas bien. Déjà, elle est au pays, elle enregistre les gens. Hein? Mm-hmm. Elle parle avec toi, elle parle à Conté ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est de la sorcellerie. Écrit avec MT qu'elle ne peut pas sortir, dit parce que MT regarde que ta compresseur insulte Tata Na nuit et jour. Les MT m'ont appelé avec compresseur Samé, comment on l'appelle même, Michel et Somba et Anne. Ils ont appelé pour faire la conférence. MT était dans la conférence. Pourquoi elle ne dit pas à compresseur de ne plus insulter Tata Na? Mais elle m'appelle pour que je n'insulte plus compresseur. Pourquoi elle ne dit pas à compresseur d'arrêter, que MT arrête avec la manipulation? Les photos de comment elle s'appelle, de Stella Mugu qui était sortie là, c'est MT qui avait envoyé. C'est MT qui avait envoyé. Quand on arrête ça, elle peut dire à compresseur que arrête d'insulter ta soeur. Si elle dit que Nadège c'est sa fille, compresseur c'est sa fille, c'est à elle de réconcilier. On ne dit même pas, Nadège ne peut même pas accepter la réconciliation, mais c'est à elle de dire à l'autre que n'insulte plus Nadège, c'est bon. Elle est là, elle est calme, elle fait ses petits coups derrière. Quand tu commences à insulter, c'est elle qui t'appelle. Oui, j'ai envoyé le direct à la star. Hein. J'ai envoyé ceci. Hein. J'ai fait ceci. Hein. MT est dangereuse. Oui. Quand j'étais au pays, avant de partir au pays, oui. Il y a un petit là, Thierry, toi. Tu vois le profil? Oui, Thierry, toi, oui. Voilà. Il m'avait framponné. Parce que j'avais framponné qui là c'était Jessica ou bien qui là j'avais aussi framponné... le direct non il est toujours à Ponce Attitude l'étude de Lady Ponce. Ah après, oui c'est le Kwandenge là que Coco disait voilà ah oui oui qu'est-ce qui se passe tu comprends. Mm-hmm. J'ai tellement framponné le petit là que un jour, je reçois un message sur Messenger. Il me dit, mon grand, voilà, moi je ne sais pas hein, si j'étais manqué le respect, c'est parce que non, Star Bakata, c'était Star Bakata, oui, voilà, parce mm-hmm. que j'ai framponné Star Bakata, il m'a framponné dans cette dizaine là et j'ai pris le petit là en sandwich, tu comprends non? Il a commencé mm-hmm. à me dire, moi, je ne veux pas les problèmes. Il disait même qu'il va me faire enfermer au pays. Tu comprends? Mm-hmm. Je suis arrivé au pays, il a commencé à frapponner, c'est malos. Je mets le direct, je frappais le petit. Après, un jour, il m'envoie, il me dit, mon grand, tu me framponnes comme ça, là. J'ai une grande sœur à moi qui te connaît bien. Hein? Elle me dit, tu es quelqu'un de bien. S'il te plaît, je te demande pardon, tu comprends? Et j'avais mm-hmm. alors décidé d'aller à son anniversaire à Ponce Attitude, tu comprends? Mm-hmm. Voilà. Parce que j'avais un cadeau pour lui. Ah non, ma coco, Taz m'a envoyé que le message que oui, hein, tu ne veux pas me voir. Je t'ai dit, il faut qu'on se voie. Tu passes et manques. Attends, quand quelque chose va t'arriver là-bas, là, tu vas voir. Tu comprends, non? Elle mm-hmm. est comme ça, là, très jalouse. Très mm-hmm. jalouse. Tu comprends? Mm-hmm. Voilà. Je suis même, j'ai dit que le petit là, je suis monté sur le petit là, tous mes directs au pays, il avait au moins ses 5 minutes. Quand il m'a dit qu'il avait une grande soeur, voilà, qui me connaît, tu comprends, non? Voilà, mm-hmm. qui lui a dit non, voilà, de comme n'est pas méchant, voilà. Donc il est venu me demander pardon. Et c'est là ouais. où j'avais décidé de lui faire un cadeau, tu comprends, non? Oui, oui. Et même ce cadeau-là, je suis parti parce que ce qu'il voulait lui donner, tu comprends, non? Mm-hmm. Ça ne pouvait pas. Lui, il avait les petits qui mettent des 40 000. Tu faisais la jalousie parce que si elle te voyait, mine de rien, tu allais même lâcher même 100 000 avant de partir, je même 200 000. Elle dit qu'elle m'a vu chez Malox. Tu sais que Malox et moi, c'est le compteur d'eau qui nous sépare, tu comprends? Mm-hmm. Donc, chez moi, elle dit qu'elle m'a vu là-bas, là. Hein? Elle ne m'a pas calculé, tu comprends, non? Mm-hmm. J'ai dit à Coco hier que non, mais tu es une mytho. Tu es une mytho. Mm-hmm. Tu comprends?
Tu sais très bien que oui, si tu venais vers moi, obligé, tu allais gratter quelque chose de ses mains. J'allais lui donner quelque chose. Tu comprends, non? J'allais lui donner quelque chose. Ah non, mon ogre à moi. J'allais lui donner quelque chose. Mais c'est une photo. Juste pour venir mentir aux gens que oui, elle m'avait vu, mais elle ne voulait pas, elle me calculait pas. Alors que dans mon direct, hein, elle est intervenue dans mon direct que oui, de comme il faut qu'on se voit. Hein? Mais là-bas. Elle dérange. Il faut qu'elle change avec ses tiers de Mbengue. L'enfant, s'il s'est réveillé là à 22h, je ne sais même pas si elle va accepter dormir aujourd'hui. Ok, hein? Voilà, moi je vais descendre. On se dit, moi, voilà. Et dis-moi, même, je vais dormir, pasteur. Ok. Parce que l'enfant, tu commences à aller je suis monté pour Demanou parce que j'ai remarqué avec elle, c'est elle qui dit qu'elle est dans les histoires de Saint-Esprit et de Zamba et consorts. Tu comprends? Et c'est toujours elle qui parle des marabouts. Quand elle monte, hein, il faut voir ce qui sort de sa bouche. Hein? Et la dame qui est montée, hein, big up à cette dame-là. Parce que ça n'était rien de trop. Tu comprends? Après, tu ne vois même pas que c'est quand la dame est montée qu'elle a commencé à dire c'était pour venir sauver Mathé Chopa. Oui, comme si Mathé était en danger. Je t'ai dit que. Je dis que non, n'insulte pas Mathé. Si elle me dit que non, elle n'insulte pas Mathé. Elle explique un truc. Moi-même, je veux aussi écouter ce qu'elle veut expliquer. Après, c'est je vois. C'est l'un des manous comme ça là qui veut toujours qu'on ramène la théorie du danger de Rigobert Song. Hein? C'est pour le bien de Mathé Chopa. Mais. Ha. Mathé Chopa, ta bouche là, tu crois que. Elle va se défendre, elle va faire des posts sur eux. Si on a. Si il y a clash, tu vas voir. Est-ce que Mathé perd le nord aussi? Si on a un clash, Mathé va répondre. Attends, quand tu y as Nguanin Gabanyu, Mathé Chopa. Mentir, parce que l'Angala vit bien au Cameroun. Elle vit bien. Ouais. C'est le genre de vie là que je rêve, hein, pasteur. Le genre que j'aime, je suis moi French. J'ai ma maison là-bas à Douala. Je fais seulement mes allers-retours. Coco, tu sais, parfois, moi, je frappe les gens juste pour châtier, tu comprends, non? Oui, oui. Mais quand ils te donnent leur valeur, je donne. Tu comprends? J'ai toujours caressé Mathé Chopa. Mais quand je vois un peu l'anguille, je dis, m'attends, oh, hein, elle est mieux. C'est comme Guylaine Chapuis. Oui, oui. Les gens qui viennent aujourd'hui la berlue. Tu comprends? Oui. C'était la même chose pour Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, quand le combat était terminé, tu comprends, non? Elle a commencé à faire la bonne sensibilisation au pays. Tu comprends? L'église faisait sa force. Tu comprends? Toute personne qui touchait Guylaine Chapuis, j'étais là. Tu comprends, non? J'étais là pour framponner. Mais, depuis que, voilà, elle a joué son rôle là, n'est-ce pas? L'histoire de 11 000 euros. Parce que quand l'histoire de Fleur de Lille vient se plaindre, elle fait deux sorties, elle framponne Fleur de Lille. Tu comprends? Elle framponne Fleur de Lille. Alors que Fleur de Lille, le lendemain, vient dire à Monnier pour rien. Et comme Amé Kama avait pris le sujet, dit qu'il fait de ça son couteau de boucher. Tu comprends, non? Voilà. C'est là où on revoit Guylaine Chapuis qui fait la troisième sortie pour soutenir Fleur de Lille. Et là, on les revoit avec Amer Kamer. Tu comprends? Depuis qu'elle est entrée dans des conneries là. Voilà. Bon, on m'a dit que elle a dit à Amer Kamer, pense avant-hier que oui, elle regrette d'avoir entré dans la merde là. Maintenant, elle est framponnée de gauche à droite. Moi, je préviens toujours. Tu comprends? Je préviens toujours. Elle avait une position, je te mens pas, même après le combat. Hein? J'étais ici à l'église. J'ai dit, regardez Guylaine Chapuis, j'ai cité même Mathé Chopa, regardez, vous êtes là, yougou, elles vivent là-bas au pays. Elles entrent voilà, dans les magasins, hein, avec casino, avec ceci, dans les fruits. Tous les jours, Guylaine Chapuis était. C'est Facebook qui détruit les gens, hein. Facebook qui détruit les gens. Non, moi, je n'aime pas, quand je connais la position d'une personne, tu viens te mêler dans des conneries à cause de la visibilité. Hein? Est-ce que la visibilité là va donc alors te servir quand il va falloir en 2025 Guylaine Chapuis va dire quoi?
là où elle est là-bas, là, la plupart, eux, ils ne sont pas du RDPC. Elle va faire comment? C'est là où elle va encore venir à l'église, comme tu cabais bien souvent. Mais je suis obligé de commencer par lui dire que au Kalga, le temps que tu peux aller braquer les murs, hein, là où il y a des petites vermines, là, les conneries, et après, les berceaux d'Afrique sont là en train de continuer à jouer le rôle des patriotes. Tu vas venir là. Non. Mais comme les gens sont toujours là, hein, c'est nous sommes en guerre. Comment vous? Moi, je ne suis pas en guerre. Je frappe là où il faut frapper. Voilà. Mm-hmm. Je frappe là où il faut frapper. Tu comprends? Moi, je suis venu sur la toile. Il y a un 2 millions d'euros qui est là. Beaucoup de personnes. J'ai mené des combats ici, que ce soit le tribalisme, tout, les histoires d'enfants, des mères. J'ai mené des combats ici. Mm-hmm. Je framponnais feu de l'île, j'ai protégé maman Anna. Tu comprends? La mère de compression, je la protégeais, je faisais son atalakou. Tu comprends? Parce que les gens ont la mémoire courte ici, là, sur Facebook. Hein? La mémoire courte. Même dans leur propre famille, il y a la guerre entre frères et sœurs et consorts. Mais sur Facebook, comme, c'est les clans et consorts. Maintenant, j'ai dit, l'église, si vous ne connaissez pas, regardez le visage de Komamouga. J'ai dit, insultez de Komamouga comme vous voulez. Il ne peut pas jamais descendre pas comme du Kamer. Regardez très bien quand du Kamer, quand il est insulté, regardez très bien. Je suis Zigri. C'est moi qui transforme les cœurs. C'est moi qui ramène mes concepts. Voilà. C'est moi qui. Moi, je m'en fiche. Je vous ai toujours, j'ai toujours dit aux gens, si l'insulte est tuée, c'est ma propre maman qui allait là-haut me décider. Elle me fouettait en même temps, elle m'insultait. Ouais. Donc, quand je vois beaucoup venir là sur la toile, voilà, parler les histoires des gens, des enfants, des mères, hein, tant regarder, hein. Tu comprends, non? Mm-hmm. Leur... Oui, je n'arrive pas à comprendre. Il y en a là sur la toile, je ne sais pas. Quand ils aboient, s'ils oublient souvent, voilà, les précédentes sorties ou bien ce qu'ils ont eu à dire. Moi, je n'oublie pas. Remarquez très bien, quand je parle d'un truc, même quand je répète ça, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Pas de changement, pas de changement. Même si la justice me piège, me pose la question, chaque temps, ça serait toujours la même réponse. C'est comme ça. Et les gens n'aiment pas hein, là où on frappe, là où il faut. Tu comprends? Ils ont donné les conseils à la saleté d'Italie. On lui a même dit, voilà, si c'est 2 directs par semaine, tu comprends, non? Mais moi, je sais que ça... Elle va alors supporter le virus. Elle a déjà attrapé le virus des directs. J'ai dit que laisse. Moi, j'ai vu Mafou dans le petit banditisme là que oui, je ne peux pas partager, tu sais. Oui, j'ai fabriqué tout ça là. Oui, après, on se... Elle dit qu'elle ne partage pas, non. Elle dit que même pour mon cas, elle ne partage pas, que ça salit son mur. Demain, quand mon camp va être star, mon camp va clasher, Flo. Donc, je suis monté, c'est pour Ndemanou. D'accord. Parce que ça veut dire, Ndemanou veut toujours démontrer qu'elle est plus conscience dans les traits des autres. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'affaire de Ndemanou, si avec les marabouts, on teste toujours Ndemanou chez les marabouts. Tu sais, j'avais aussi compris que celle avait perdu raison. Quand je sens que, voilà, dans le bloc camerounais, un jour, elle est en train de voir les moussets dehors. Dans la nuit, elle est en train de pleurer que les marabouts ont fait ceci, le marabout est mort. Hein? J'ai dit, en voilà une encore qui a perdu raison. J'étais dans son direct le jour-là. Il y a un Wad qui était venu lui dire là que, voilà, je travaille demain, un truc comme ça là. Voilà. À l'époque, elle avait le Nganda chez elle. C'est elle-même qui prenait tout le whisky là. Elle voulait qu'elle vienne là-bas à La Rochelle, non? À La Rochelle. Oui, à La Rochelle. Elle m'a fait visiter son comment on appelle ça, son duplex à Nouama.
devant nous. Eh, devant nous. Maman, c'est pour Vassero là qui m'a fini. Hein. Je pensais que l'affaire était les blagues. Si tu répètes en tant qu'un homme, c'est que c'est vrai. Hein. Ouais, j'ai dit que j'étais en mission au 93. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Je te dis même encore l'autre. Voilà. Ça veut dire, pendant la période de fête, quand des mamans étaient partis au pays, bon, le plan, c'était le programme, c'était quoi? Je devais récupérer le 12 décembre des Manous à la gare Montparnasse, n'est-ce pas? Mm-hmm. Déposer les valises, voilà, je ne sais pas si c'est chez sa tante, voilà, membre de famille, et après, on partait assurer chez la veuve. Tu comprends? On partait manger, et après, on dégageait les lieux. Tu comprends? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne pouvais pas partir. Qu'est-ce qui se passe? Le jour qu'elle devait me confirmer, tu comprends? Tu vois, ça passe. Rien. Je ne vois rien. Mm-hmm. Et donc, moi maintenant, étant au 93, tu comprends? Mm-hmm. Étant au 93, mon téléphone tourne. J'étais encore au truc, hein, au vestiaire. Mon téléphone, il venait de voler le taf. Ouh, 10611. Oui, c'est Ndemanou. Je t'appelle avec le téléphone de Waro, s'il te plaît. Je suis sur Waro. Tu comprends? Non, ce n'était même plus le 12. Tu comprends? J'ai dit que un mardi, hein? Ndemanou, moi, je travaille, je me lève tôt le matin à 5 heures. S'il te plaît, viens. Donc, elles étaient là-bas, là, au nombre de 3. Donc, j'allais me retrouver là-bas, là, le seul garçon. Tu comprends, non? Oui, voilà. Oui. Ndemanou, que tu vois là, il te dit que sa surveillance, on avait soigné son truc avec le sumon obicide. Oui. Ça veut dire, elle est cartée comme ça là, Warouz, il tente que de mettre l'air, le ventilateur de Warouz. Maman, oui. Quel courage. La maison de Warouz là, ça a beaucoup servi. Hein. Je t'ai dit. Ganda, hein? Le dispensaire. Le dispensaire. Il dit que Warouz, elle-même, elle a beaucoup fait des soins. Warouz a déjà tout vu. Il dit que quand tu y as comme pas cherché le sumon obisique à Château Rouge, ça veut dire que les langues de Ndemanou, mais mon ami, elle est quittée là-bas, là. Elle a fait 13 arrêts, au moins 13 arrêts. Elle avait mis deux coussins pour conduire. Ouais. Warouz voit les choses. Elle vient de dire là, que c'est pour le bien de Maté Chopa. Anou Wama. Tu as appelé, Véro t'a dit quoi? Attends, la boîte noire, toi-même, une mafou peut se comporter comme ça. Là. Une mafou, ce n'est pas comme une mère poule. Hein? J'ai dit Coco, c'est aussi, tu sais ce qui m'avait aussi étonné, Coco, dis-moi un peu, parce que à chaque fois j'oublie ça. Bon, moi je veux parler, c'est de Guylaine, hein? C'est pas méchant, hein? Non, regarde pas ce pardon, si c'est un mal, pardon, ne pose non, pas ici pas là. Mal. Ce n'est pas un mal, okay. C'est ma passion, non, Guylaine, non. Tu sais, okay. Je suis méta. Tu sais, elle avait tenu un discours qu'elle nous a mobilisé, tu comprends? Elle nous avait mobilisé, elle nous a dit, voilà, ne vous faites pas de deal, hein? Ma fille ne sortira plus jamais. Tu comprends, non? Parce qu'on a que de tuer, une chèvre à Fumban. Tu comprends, non? Voilà. Pour que tu puisses quitter dans ça. Et moi, il a fait ça, et toi, tu es sorti. Dis-moi un peu, est-ce que tu n'avais pas suivi son Dieu quand ça annonçait du lit? Écoutez son direct. Oui, dans son direct. Non, elle avait dit quoi dans son direct? Que je n'allais pas sortir. Oui, quand on était en train de tuer une chèvre dans la Fumban, tout est guéri. Que toi, tu ne veux pas.
Elle disait de ne pas faire. Que quand tu es... J'aime oublier le proverbe là. Quand tu es maman d'enfant, où c'était singe qui a... Je ne sais même plus trop. Hein. Elle m'avait donné des conseils de ne pas répondre, de laisser et tout. Ah, ok. J'ai accepté devant elle que j'allais laisser. Oui. Et après, toi, tu es sorti. Et après, je suis sorti. Elle ne savait pas que j'allais sortir. Voilà, c'est pour ça, moi aussi, je lui avais dit, quand il te dit, ne viens pas entrer dans le fougou là. Tu comprends, non? Parce que les parents fougou, toi-même, tu risques de venir te salir. Parce qu'elle avait dit à tout le monde, hein, c'est moi la belle de la République, voilà, ne vous faites pas de billes, c'est ma fille. Je vous promets, on a que de tuer une chèvre à Fumba à l'heure que je vous parle. Bon, si j'écoutais alors le direct, là, je n'allais pas alors faire. Mm-hmm. Vrai, si j'écoutais ce qu'elle avait dit, je n'allais pas faire. Moi, c'est parce qu'elle me parlait derrière. Je ne savais pas qu'elle a parlé de ça en public, qu'on est en train de couper la chèvre, sa fille ne doit pas sortir. Je n'allais pas sortir, sincèrement. Si j'avais écouté ça, je n'allais pas sortir. Et elle ne t'avait pas rappelé après. Mais après ta sortie. Elle m'appelait pour dire de ne pas sortir, que j'arrête de partager les choses de Flore, que je ne partage plus. Parce que la nudité d'une personne, ça peut... Je peux finir en prison. Mais si j'avais vu où elle avait dit ça, je n'allais pas faire. Il te dit que l'histoire de la chèvre, là, mes mandibules ont poussé parce que quand je t'avais vu, comment j'ai dit, merde, quelle humiliation. J'ai framponné un direct, j'ai dit, tu vois donc alors, hein, je ne sais pas si vous parlez derrière. Comment tu peux dire aux gens que ne vous faites pas de billes, il n'y aura rien. Hein? Elle avait tapé la poitrine de Nouama. Elle a dit à Ben de la République, si c'est la République, si c'est combien de fois, que suivez mon regard. Quand j'ai vu, quand je t'avais vu frapper, j'ai dit, elle n'était pas d'accord, elle m'avait parlé. Même notre cousine, elle avait fait la conférence avec une cousine qui m'avait parlé et tout. Mais Coco, la qualité là, on te parle. Hein? Mais le camp en face ne fait que te lancer les pics. Tu vas faire comment? Tu as tout compris. Tu vas faire comment? On t'insulte de l'autre côté. Voilà. On te dit non, ne réponds pas, ça fait quoi? Quand on insulte, ça fait quoi? Ça a changé quoi sur toi? Parce que le chemin de Dieu est passé dans mon salon. Ça peut faire venir vers toi que d'aller là-bas, là, sachant qu'on ne va même pas les écouter. Ça ne tente même pas d'aller dire ça là-bas. Hein. Que non, toi aussi, laisse. Bref, c'était pour dire quoi, tu comprends? Les gens se prononcent souvent très vite. J'ai toujours dit aux gens, lorsque vous êtes face à une situation, hein, venez d'abord une minute de silence avant de réagir. Ou alors avant de faire quoi que ce soit. Tu comprends? Mais Facebook qui fait en sorte que beaucoup prennent des ailes. Tu comprends? Sans toutefois bien régler la situation derrière avant de venir. Parce que même si je disais que je ne réponds pas, entre-temps, on est en train de t'insulter. Ouais. Non. Ouais. Tu peux pas. Alors que toi-même, tu as les balles sur la personne qui t'insulte. Non, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas mourir sans faire d'efforts, pasteur. Mais tu es obligé de venir te justifier. Oui, oui. Mais c'est ça. Mais c'est ce que moi j'ai dit souvent aux gens. Parce que ici, là, sur Facebook, si on vient dire que Coco, c'est une voleuse, si tu ne sors pas pour venir te justifier avec des preuves à l'appui, mais mon ami, la toile sera que, voilà, tu es. Hein? Voilà. Les gens ne vont pas dire que oui. Je sais que Manga, écoute, quand je sors comme ça, faire des directs, Manga se fâche que non, ça fait quoi et tout et tout. Pasteur, il faut expliquer, quand tu ne viens pas, on te colle ça sur le corps. Voilà, c'est comme ça. Il dit que moi, quelqu'un manque sur moi, oui, c'est pas bien de sortir, venir se justifier, mais nous sommes sur Facebook, nous ne sommes pas dans la vie réelle. On ne se connaît pas, tu comprends, non, c'est le virtuel. Et nous avons vu des personnes être salies ici dans le virtuel et pour rien même. Tu comprends? Donc, on vient me dire que de comment tu ne fais pas ça. Si j'ai des preuves que je le fais, je ramène des preuves. Et qui sera ridicule?
Parce qu'il n'y a pas seulement que des moutons sur la toile, il y a quand même des personnes réfléchies. Oui. C'est le problème que du Camer a à chaque fois, chaque temps. Tu comprends? Il ne se regarde pas lui-même. Lorsqu'il parle, ou alors lorsqu'il demande aux autres que de faire, tu comprends? Lui-même, il ne fait pas. Ça veut dire il est même le même souci que la personne qui pointe du doigt. Il ne regarde pas sa propre situation, mais il demande aux autres, hein, vous éduquez vos enfants quand? Nous sommes tous là sur la toile. Le matin, il va au travail, il fait direct, il travaille toute la journée, il finit peut-être à 18h. Hein? Il a quel temps? Voilà, il éduque quand? Pour venir me parler, moi, mes enfants, hein, ont quel âge, pour venir me demander d'être quand même mes enfants. Hein? Je dis qu'il y a beaucoup de malades ici sur la toile. Je continue à dire. Et encore, quand j'ai dit, il y en a beaucoup qui ont besoin, qui sont arrivés sans problème, sans séquelles. Bon, quand je dis sans séquelles, pas de séquelles graves, tu comprends? Mais il y en a. Il fallait arriver à destination, emprunter les chemins des psychologues. Nous, on les voit là, les Nicole Kitchale du Camer. Il y a un truc qui ne va pas. Tu comprends? Non? Des personnes frustrées, en manque de confiance. Et la preuve, on a conseillé Nicole que non. Hein? Tu t'embrouilles, tu veux y mettre ces cancans périls, tu veux démontrer que tu es qui. Non, ne fais pas ça. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu es sale. Nettoie, moi je dis, Nicole doit d'abord nettoyer sa peau. Voilà. Sa peau. Hein? Après, à être calme en tant que femme. Oui. Tu comprends? Et arrêter de beaucoup pour vivre, comme Dangereux Black a si bien dit hier. Yeah. Parce que c'est elle qui a une grosse langue et c'est elle qui a un piercing. C'est elle qui ouvre beaucoup la bouche. Voilà, et quelle bouche même. Donc, mais oui, mais attends, moi j'ai des captures d'écran que m'attendent. Quand tu vois, demain je veux montrer ça, vous allez voir, parce que ma foi dit que oui, hein, elle a une peau propre. Tu comprends? Mais je veux montrer que ma foi demain que la peau là. Même la mafo là, elle se moque seulement. C'est pour vous pousser à insulter la peau. Oui, c'est pour vous. C'est son modèle pour vous pousser à insulter la peau de celle-là. Quand je vois mafo, il y a ma mère, pas son âme, Chang, tu comprends, non, au quartier, tu comprends, non. Son mari, c'était aussi un donman. Tu comprends? Ça dit, le coup, c'était les deux donnes. Ça dit, comme parfois je vois le comportement de ma fou. Tu comprends, non? Je revois cette dame-là. Tu comprends? Ça veut dire, ma fou, c'est une mouque. Je dis qu'elle elle se moque même de compétition. Tu sais, le peu de fois que j'ai discuté avec ma fou au téléphone, elle aime les moqueries. Tu comprends? Elle aime, ça dit, elle aime là où, tu comprends, non? Ça fait lap. Voilà, c'est tout. Elle aime charrier. Alors que la fille, là, à l'époque, elle et moi, on s'est moqué de Nicole. Là, on s'est moqué d'elle propre. Mais elle disait ça, non. Là, je dirais que la fabrication de Dekoma Mugu. La femme a pris manga. Nicole Kecha. Mais la petite, là, hey, j'ai dit dans le direct que ma tante, toi tu veux y aller plus vite même que les aînés. Hein, tu te vantes déjà avec les perruques. Hein? Les perruques, tu mets les perruques. Hein? Au lieu de que ça te rajeunisse, hein, ça te vieillit plutôt. Sa perruque là-bas, non, maman. Elle a pris au moins 10 à 15 ans de plus. Ha. Donc, pastor. Voilà. Donc demande-nous la prochaine fois, quand tu vas intervenir, voilà, va intervenir si tu trouves un sujet. Arrête les histoires que tu viens sauver les gens dans les directs des gens. Et après, comme ça, ça va commencer. On va venir dire que oui, Coco a laissé
hein, qu'on vienne framponner dans son direct, que voilà, elle était d'accord, pourquoi on ne t'a pas coupé? Tu viens, tu commandes déjà la fille de Dieu, tu commandes à insulter un tot. Hein, tu manques de respect. La prochaine fois, viens, interviens encore quelque part, tu pars, fais tes mimbalas. Donc, big up, et bonne nuit. Prie pour moi et tes petits-enfants, Pasto, et tes enfants. Non, je vous bénis, tout simplement. Amen. Tu sais, partout où je mets mon pied, je pars toujours avec mon cœur. Je vous bénis, t'inquiète pas. Amen. Voilà. Amen, Pasto. Je vous bénis. Voilà. Okay. Moi, mais je vais couper le direct. Et ça dit, que tout esprit maléfique qui tentera de venir régner autour de vous, hein, les vibrations tempêtes, ça me vient du fond du cœur, c'est ça. Merci, voilà. Merci, Pasteur. Ok, big up. Big up. Oh. Bon, là, je vais vous laisser, c'est fait déjà tard. Je vais dormir. Léa s'est réveillée à 22h. Donc là, pour dormir, ça devient compliqué. Quelqu'un ne veut pas dormir. Oh, oh. Je vous laisse. Bonne nuit à vous. On se prend demain. Au revoir. Léa dit au revoir ici. Dit au revoir. Au revoir. Léa vous dit au revoir. Qui comme ça, mamie, ça? C'est que ma tête était chez maman. Sylvie vient d'arriver. Ah, Sylvie, je vais vous laisser, je suis déjà fatiguée. Bonne soirée à tous. Qu'Allah vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus. Oh. Et pour les musulmans, qu'Allah facilite.